Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc vidéo vlog si on pourrait appeler ça comme ça. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est une vidéo un petit peu justement pour bavarder, pour parler un peu de différentes choses autour justement et bien des sujets principaux de la chaîne Power Rangers et Super Sentai. De toute façon un petit peu à la manière dont j'avais fait justement dans la fameuse vidéo anniversaire des 1 an de la chaîne. Et bien on va continuer sur ce même format, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon voilà, vous voyez j'ai disposé quelques trucs ici. Même justement qui vont nous annoncer un peu le programme justement de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, il va y avoir différentes choses dont je vais vouloir parler. Déjà la première chose à faire, ça va être déjà de mettre au clair ce qui va venir sur la chaîne, parce que en fait techniquement, je le fais parce que normalement ça a déjà été dit, mais il se trouve que je continue de recevoir des commentaires, souvent d'une même personne, pour me demander si je vais faire les reviews pour Ranger Samurai par la suite. J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. Je l'ai dit à plusieurs fois que la suite des reviews arrive justement avec le set Roar Max Megazord, soit Zord de. Enfin un set de Zord entre guillemets de Power Rangers Jungle Fury avec ses trois Zords là, requin, éléphant et chauve-souris que j'avais justement déballé pour la vidéo des 1 an. Voilà. Donc je les rattrape puisque je les ai eu entre-temps et que je ne les avais pas fait pendant l'époque des reviews de Jungle Fury. Je vais les faire maintenant. Aussi le Rhino Steel Megazord, un jour de la même série Jungle Fury, que je vais faire également, étant donné que je l'ai aussi acquis, avec beaucoup de chance, celui-là, vraiment, je suis très content de l'avoir, parce que vu sa rareté, vu sa valeur, je l'ai vraiment eu pour une bouchée de pain, comme j'avais déjà justement expliqué dans un précédent vlog où j'avais fait son unboxing, justement, voilà. Ben, j'avais d'ailleurs tout a été unboxé sur la chaîne, hein, vous pouvez aller voir, donc dans la vidéo d'il y a 1 an et sur le vlog précédent. Et ensuite, comme je l'ai promis, nous en arriverons au review pour Ranger Samurai. Alors voilà, je tiens à faire la mise au clair, parce que je continue de recevoir des messages, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, je les ferai ces reviews Power Rangers Samurai, voilà le Megazord Samurai, le Morpheur, je pense que je ferai même le Morpheur et l'épée en une seule et même vidéo, puisqu'il n'y aura pas grand chose à dire énormément dessus, donc au moins c'est une fois une vidéo un peu plus conséquente. Mais le fait est que voilà, ça arrive. Donc s'il vous plaît, ne me demandez plus si je vais bientôt faire les reviews Samurai, comme je vous l'ai à nouveau redit. Le programme est annoncé, il est là. Et voilà, et comme je vous l'ai promis, ces reviews, oui, elles seront faites. Mais par pitié, arrêtez de me le demander, parce qu'à force, ça devient un réel running gag, je vous jure. Donc là, c'est pour ça, j'espère pour vous que vous aurez regardé cette fois-ci avant de commenter, parce que je sens que là, vraiment, si je reçois un commentaire sous cette vidéo pour me demander si je vais faire bientôt les reviews pour Ranger Jungle Fury, je sens que je vais rigoler là. Là, je sens que je vais rigoler, je vais épingler le commentaire pour le coup. Allez voir dans les commentaires des fois que si jamais. Mais là, vraiment. C'est pour vous dire ça, oui, elles vont arriver, voilà le Megazord, voilà le Morpheur, c'est là, hein, ça va être fait. De toute façon, on en reparlera même à la fin, parce que j'ai prévu à la fin de vous annoncer aussi quelques trucs concernant eh bien, les projets futurs pour la chaîne, parce que j'ai quelques trucs à annoncer. Voilà, mais en tout cas, le programme, on l'a vite fait réexpliquer, c'est tout ce qui sera ici, voilà. Donc dans cette vidéo, hormis ça, voilà, nous allons parler aussi eh bien, de ces figurines Power Rangers Jungle Fury que vous voyez ici. Voilà, qui sont toutes neuves, hein, sous blister. Alors c'est des figurines en fait, enfin je vous expliquerai mieux parce que ce n'était pas des figurines que je comptais spécialement avoir, mais que j'ai eu d'une manière assez hors du commun, il faut le dire. Donc mes quelques potes sur internet auxquels j'en ai déjà parlé dans des discussions le savent. Voilà, je tenais à en faire part parce que effectivement c'est quand même un truc assez dingue concernant ces 4 figurines Jungle Fury que j'ai obtenues très récemment. Voilà, donc on verra ça par la suite. On va également parler, voilà, vous voyez à nouveau encore notre fameux Megazord Mighty Morphin. Parce qu'on va bien entendu parler Mighty Morphin. Et alors là, je vous le dis, là les quarantenaires, là, les anciennes 90 qui proclament cette série, qui l'acclament et qui après vont cracher sur les autres séries modernes. Je vous le dis, restez bien parce qu'on va vraiment avoir des choses à se dire. Vraiment. Là, vraiment, on va avoir des choses à se dire, je vous le dis. Je vais faire donc en fait la critique de la saison 2 MMPR que j'ai fini il y a un mois de ça. Donc je ne l'avais pas fait parce que en vidéo, parce que jusque-là, je ne le faisais pas trop. J'avais fait vite fait via un post sur Facebook hein, qui vous résumait clairement l'idée. Mais bon voilà, je vais faire un petit peu en vidéo parce que aussi ça m'énerve parce que j'ai plein des choses à dire par rapport à ça. Donc voilà, donc là j'ai symbolisé via le Megazord, donc dans une position bien je m'en foutisse un peu justement à l'image de la série. Hein, voilà, en mode j'en ai rien à foutre de vos gueules, bah, comme la série, exactement pareil, voilà. Donc voilà, et aussi bah, pour faire un parallèle avec justement Gosei Sentai Die Ranger que je suis en train de regarder, que j'ai quasiment terminé là, donc on va faire entre guillemets un petit peu vite fait le parallèle, même si pas complètement, je vous expliquerai justement après pourquoi. Mais en tout cas, je sens qu'on va avoir bien des choses à se dire. Alors voilà, donc j'ai mis celui-là de Megazord, parce que normalement c'est vrai que dans la saison 2, c'est plutôt justement le Dairen O, donc le Megazord de tonnerre.
le premier du nom en tout cas. Mais bon, comme je ne le possède pas, ni Dairenho, ni la version US, ni quoi que ce soit, bah, j'ai décidé de mettre celui-là. Et de toute façon, même s'il ne représente pas le Megazord tel qu'on le voit exactement à l'image, au moins, cela dit, il représente cette édition-là d'Hasbro représente bien la qualité de la série, c'est-à-dire quelque chose de vraiment très pauvre. Voilà, c'est le cas de le dire. Et puis vous voyez aussi le Russell Changer et le Dawn Blaster. Alors bah, parce que je vais parler un petit peu justement actualité également. Par rapport, parce que là on va parler passé, mais on va parler aussi un petit peu actualité justement avec le PRL Sentai pour bah, justement alors Cosmic Fury pour Power Ranger. Je vais très vite fait aussi parler là-dessus parce que c'est, en fait j'ai pas énormément grand chose à dire dessus, contrairement à beaucoup qui ont fait beaucoup de théories de ceci, de cela. Mais voilà, vous verrez ça. Donc là j'ai mis le Russell Changer puisque j'ai pas la version américaine, je m'en fiche. J'ai mis le Russell Changer pour symboliser entre guillemets vu que ça reste le même casting, même si a priori il n'aurait pas les mêmes costumes, plus les mêmes accessoires ou quoi. Mais voilà, plutôt que de mettre soit du Kira Major ou du Q-Ranger, sachant qu'on n'est même pas certain que ce sont les séries adaptées, j'ai préféré mettre le Russell Changer. Voilà. Et puis le Dawn Blaster évidemment pour parler un petit peu de Dawn Brother, parce que Dawn Brother, là, il y a du positif à dire et ça fait du bien. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour l'intro, voilà, j'ai parlé à peu près de tout ce qu'on a ici, bah justement pour vous annoncer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc sur ce, c'est parti, on va attaquer directement la première partie. Alors voilà, déjà dans un premier temps, parlons des figurines Power Rangers Jungle Fury. Voilà, donc ces 4 modèles de figurines que vous voyez là, encore sous blister, tout neuf. Que je vais laisser, je pense, encore sous blister pour l'instant, je ne vais pas les déballer. Je verrai si je les déballe, j'ai pas prévu de toute manière d'en faire des reviews pour l'instant ou quoi que ce soit, mais ça pourrait venir par la suite. Donc voilà, juste pour vous parler justement par rapport à quelque chose qui m'a un petit peu secoué paradoxalement, que je trouve rigolo d'une certaine manière. Pour partir du début, il vaut mieux que je vous raconte tout en fait. Parce que ces figurines-là, comme j'ai déjà pu le dire vite fait dans l'intro, je ne comptais pas spécialement les obtenir à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, je vous avoue que je ne me rappelle même pas que ces figurines en particulier vraiment existaient. Dans la gamme Jungle Fury, en fait, il s'agit des figurines justement, Animalized, comme ils appellent ça. En fait, c'est des figurines des Rangers où, en fait, ça marche exactement comme des figurines Senseiya, c'est-à-dire que vous avez des pièces d'armure, en fait, qui, mises en dehors du personnage, peuvent former justement l'animal en question, donc la chauve-souris, le requin, le tigre, le jaguar, tout ce qu'on veut, et qui après peuvent venir se mettre sur le personnage pour lui faire une armure, justement, voilà, donc peut-être qu'on peut voir justement un peu derrière tout ça, je sais pas si ça se verra très clairement, j'espère en tout cas, voilà, donc vous avez en tout 7 modèles de figurines qui existent d'après ce que j'ai vu, donc là en l'occurrence j'en ai 4 sur les 7, donc ils sont le Ranger rouge, le Ranger bleu, le Spirit Ranger chauve-souris et le Spirit Ranger requin, donc il me manque le Spirit Ranger éléphant et le Ranger rouge et bleu version Master Mode, donc c'est-à-dire gorille et antilope au lieu d'avoir le tigre et le jaguar, voilà. Donc c'est des figurines voilà, qui marchent toutes de la même manière comme ça, vous avez la petite figurine, vous avez une armure qui représente justement l'animal en question, que vous pouvez vraiment assembler d'une manière à former le totem de l'animal, et quand vous les dispatchez après les pièces, vous pouvez venir les clipser sur le personnage de manière à lui faire une armure, voilà, et donc comme je vous dis, vous avez différents modèles, voilà. Donc c'est des figurines qui sont franchement pas trop mal, je trouve maintenant, surtout maintenant que je les ai et que je les regarde, je me dis que franchement elles sont plutôt cool dans leur concept, dans ce qu'elles ont à proposer. Je comptais pas les avoir, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, ces figurines-là, contrairement à ce que vous pouvez penser, je les ai acquis récemment, comme je vous ai dit, mais elles ne viennent pas d'Internet. Ah non, non, je les ai pas commandées sur Internet, non. Ah du coup, je les ai eu où? C'était pas non plus un vide grenier, hein, c'était pas non plus quelque part là, non, en fait, je l'ai eu, ces figurines, je les ai eu, il y a un mois à peu près de ça. Ouais, ça fait un mois déjà maintenant que je les ai laissés dans leur blister. Généralement, moi, quand j'ai un nouveau truc, je l'ouvre direct, mais bon, voilà. Là, c'est vraiment un collector comme j'en ai jamais eu jusque-là, en tout cas avec Power Ranger. Il y a quelques semaines de ça, j'allais dans un magasin Intermarché qui est à proximité de chez moi, plus ou moins. En gros, qui est un des magasins dans lesquels j'ai l'habitude d'aller, surtout qu'il est à côté de mon ancien lycée. Donc, comme j'ai l'habitude d'y aller avec des amis, tout ça. Voilà, donc je vais dans le rayon jouer. Je vais me dire, en fait de base je voulais justement regarder un petit peu, je me suis dit on va voir s'il y a des figurines Dino Fury. Alors les figurines Dino Fury je m'en fiche un petit peu, j'avais pas spécialement pour objectif de les collectionner. Je me suis dit on va voir si des fois il y a Void Knight à la limite, peut-être Void Knight que je voulais peut-être me prendre pour parce qu'il a le bouclier, contrairement à la vignette de Gaisul que j'avais pas, donc si éventuellement ça peut me faire la figurine de Gaisul complète. Voilà, mais sinon après les autres figurines je m'en fiche un peu parce qu'elles étaient, je les trouve moches moi les figurines Dino Fury. Surtout quand je les regarde maintenant, je me dis ah ouais non franchement elles sont pas ouf.
Bref, donc je regarde le rayon, et là vous aurez l'image qui s'affichera, hein, j'ai filmé ça. Je vois des figurines Power Rangers, je vois du Fury, oui. Mais pas ce Fury-là, pas Dino Fury. Je vois du Power Rangers Jungle Fury. Et l'image, vous verrez, j'ai même, ça je l'ai bien montré aussi sur la caméra, qu'il y avait dans le rayon aussi une figurine de Beast Morpher. Donc c'est pour vous prouver que la vidéo ne date pas de 2008, hein, c'est pour vous prouver qu'elle a bel et bien été tournée à cette époque. Bon là j'aurais peut-être, j'ai pas le ticket de caisse des figurines, mais enfin bref. Mais pour vous prouver que non, la vidéo ne date pas de 2008, hein, parce que Beast Morpher n'existait pas en 2008. Donc ça, vous voyez que c'est bien dans le rayon, et ces figurines-là, je les ai bel et bien trouvées en 2022 à notre époque, dans un magasin Intermarché en rayon. Alors, je suppose que c'est dû à une commande d'un stock. Je suppose qu'ils ont dû récupérer un stock, soit parce qu'ils devaient garnir leur rayon jouet ou je ne sais quoi. Et ben, le fait est que je crois qu'ils ont dû choper un stock de jouets de 2008, parce qu'il y a aussi d'autres choses, hein. Il y a des Bakugan, j'ai vu dans le rayon, il y avait plusieurs autres choses qui, je crois, ne sont pas forcément modernes en tout cas. Donc voilà, ça devait être, j'imagine que c'était un carton, un stock de jouets de 2008. De divers jouets, et puis bah, forcément que quand il en vient à Power Rangers, 2008 c'était l'époque de Jungle Fury, donc bah, c'était du coup des figurines Jungle Fury qu'il y avait dedans. Et bah c'est du coup c'est génial, c'est un vrai trésor, parce que bah, sérieusement, est-ce que ça vous arrive, vous, quand vous allez dans votre supermarché de proximité, de trouver des figurines Power Rangers datant d'il y a plus de 10 ans? Je pense pas que ça vous sera beaucoup arrivé. Encore on aurait été dans un magasin de déstockage, j'aurais peut-être un peu plus compris, parce que le déstockage c'est un peu le principe, mais là c'est vraiment pas le but du magasin. Donc ça, j'ai été choqué de voir ça, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, je les prends, je les laisse. Sur le coup j'étais là en mode un peu, je vais pas m'emboucaner à les porter, mais je me dis mais est-ce que je les laisse? C'est un truc de fou, quoi. J'étais sous le choc, moi je vous le dis, j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quoi ce... Enfin, quand j'ai vu ça j'étais là en mode mais c'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je rêve, c'est pas possible, il n'y a pas des figurines Jungle Fury, on est en 2022. Ben si, elles étaient bel et bien là, et il y avait justement ces quatre exemplaires que vous voyez là, comme je vous les ai cités, Ranger Rouge, Ranger Bleu classique, et Spirit Ranger, Chauve-Souris et Requin. Ben du coup, ben, bon, je les avais laissés ce coup-là, parce que je voulais pas trop m'emboucaner à les porter, surtout qu'en plus c'était pas moi qui payais, j'utilisais la carte bleue de ma mère, donc je voulais pas non plus voilà, claquer pour presque 100 balles de figurines, parce que quand même, l'air de rien, les 4, je crois qu'elles valaient combien? Elles valaient 15-20 euros, il me semble, chacune, donc ouais, l'air de rien, vous en prenez 4, ça vous fait quand même vite fait une somme assez conséquente. Donc ça, je me suis dit, ah, vas-y, ça me fait un peu... Ça me fait un peu suer de devoir les laisser, parce que c'est vrai que je me dis là c'est un peu des collecteurs, mais je vais quand même pas non plus faire le fou, on va rester raisonnable. Donc bon, finalement j'ai pu en avoir deux, ben, ces deux-là en fait. Les Spirit Rangers, je les ai pris après, une fois que j'y suis retourné un autre jour avec justement ma mère, mon frère, on est allé au supermarché. Voilà, justement je suis allé regarder, elles y étaient toujours les figurines, donc j'étais là, ouf, ça va, elles ont pas été chourées, j'avais peur, hein. Je me suis dit là s'il y a un fan de Power Rangers qui passe, il va les prendre, hein, obligé. Bon encore, il y en avait... Je crois qu'il y a, oui, il y avait ces deux-là, justement le rouge et le bleu qui étaient en double, mais ces deux-là n'étaient qu'en un seul exemplaire, les Spirit Rangers. Donc je voulais surtout les Spirit Rangers, c'est pour ça que le premier coup qu'on m'a autorisé à en prendre, j'ai pris ces deux-là. Voilà, je me suis dit, je prends ceux-là parce que eh bien, c'est ce que je préfère à les Spirit Rangers. Voilà. Bon, du coup, je suis un peu dégoûté. Ben, justement, voilà, maintenant je sens que je vais chercher aussi l'éléphant, parce que ben, du coup, j'aimerais bien avoir l'éléphant pour compléter le trio, justement, des Spirit Rangers. Ça me fait un peu. Ben, c'est un peu frustrant d'avoir que les deux, là. Du coup, j'aimerais bien avoir le trio complété. Bon, et si possible avoir du coup les deux autres, hein, pour compléter, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à finir une gamme que de base on ne prévoyait même pas de prendre. Mais voilà, et puis après, bah, les deux autres, bah, elles m'ont été très gentiment offertes par ma mère, hein, puisqu'elle me les a achetées alors qu'elle est quand elle est repartie faire des courses, alors que je lui avais absolument rien demandé, donc franchement, grand merci à elle encore une fois. Du coup, elle m'a pris le rouge et le bleu. Et bien résultat, j'ai pu avoir bien les quatre, voilà, les quatre exemplaires qu'il y avait dans ce rayon. Alors depuis, maintenant à chaque fois que j'y vais, je check. Bon, malheureusement pour l'instant, ils ont remis du coup un chauve-souris et un requin. Un chauve-souris et un requin. Parce que bah, visiblement, ils en avaient d'autres encore. Mais du coup, bah, voilà, je vais vous les... En fait, le but aussi, c'était de vous donner un peu vite fait ce tuyau, bah, que allez-y, dans le Intermarché de Saint-Jean-du-Désert sur Marseille, bah, vous pouvez trouver ces figurines-là. Donc s'il y a un fan de Power Rangers Jungle Fury qui est par là, vas-y, fonce. Tant qu'elles y sont encore. Je sais pas combien de temps elles y seront encore. Mais voilà, tu auras des figurines de Power Rangers Jungle Fury dans ce rayon. Donc allez-y, prenez-les. Moi, de toute façon, c'est bon, j'ai pris mon stock entre guillemets. Je sais pas si à ce stade il y en aura d'autres. En tout cas, j'espère en trouver, mais je suis pas sûr. Donc bon. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est très plaisant pour moi de les ordres. C'est pour ça que je les ai laissés scellés pour l'instant et que je compte pas les ouvrir pour l'instant. Parce que pour moi, c'est un petit peu des collecteurs. Je me dis, c'est quand même quelque chose, trouver du Jungle Fury en 2022 dans un supermarché. C'est quand même fou, parce que vous savez, je vais vous dire.
Il y a aussi quelques temps de ça, bah oui, dans la période récente également, il devait y avoir un mois à peu près, je suis allé avec justement un ami et mon frère vers un centre commercial et il y avait un Pickwick Toys dedans. Justement, on est allé justement au Pickwick Toys parce que mon frère devait acheter quelque chose. Du coup, j'en ai profité pour passer bien évidemment et ben, au rayon Transformers et Power Rangers pour voir ce qu'il y avait un petit peu, des fois, en figurine. Et il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. Il n'y avait absolument rien. Il y avait une figurine de Power Rangers Dino Fury, et c'était même pas une vraie figurine, c'était une figurine moto, enfin un truc dégueulasse, tout bidon. J'essaierai de vous mettre l'image si je la trouve, mais c'était absolument ridicule. Bon, moi je m'en fous complètement. Déjà que Dino Fury, j'en ai un peu rien à faire de manière générale, alors là, cette horreur en jouer, non, c'est bon. Concrètement, je l'ai pas pris, voilà, je me suis dit, c'est bon, ça sert complètement à rien, c'est nul, c'est débile. Mais j'ai trouvé ça effrayant, et justement avec mon collègue on se le disait, on se dit mais c'est fou quand même, tu te rappelles à l'époque de Power Rangers Samurai, tu te rappelles à l'époque de Transformers, des films, mais à l'époque c'était rempli, les rayons, il y avait plein de choses, c'était bourré, il y avait plein de jouets, là il y avait plus rien, absolument plus rien, et c'est là où on se disait, mais justement on en avait parlé justement il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a un petit moment quand même, dans la dernière, non pas la dernière, la vidéo discussion sur justement l'overdose de Mighty Morphin avec Altarian, on avait parlé du fait que les jouets n'intéressent plus les enfants, et que maintenant ils s'orientent beaucoup plus vers le virtuel, vers les consoles, vers les tablettes, vers les téléphones, vers les ceci, vers les cela. Et bah ça se vérifie parce que moi je vois quand je vois un Pickwick Toys dans un magasin en plus qui était assez grand, hein, vite comme ça, sans rien, je me dis, alors vraiment soit on est tombé un mauvais jour où vraiment il n'y avait plus rien, mais encore je me dis que c'est pas ça parce que j'ai vu aussi d'autres magasins de jouets qui n'étaient pas autant dégarnis, mais quand même un petit peu. On se dit mais c'est quand même un truc de fou la comparaison, mais c'est fou quoi, il n'y a plus rien de nos jours dans les pour les Power Rangers, pour les Transformers, pour les Marvel, pour je sais pas quoi, même pour Star Wars, pour tout, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a quasiment plus rien, les jouets sont en train de disparaître. Et donc c'est fou, ben voilà, c'est ça qui est le paradoxe qui est drôle, c'est de se retrouver justement avec ben justement, bon, voilà, dans le petit rayon jouet qui est tout petit d'un de mes supermarchés de proximité, je me retrouve au final à voir des figurines Jungle Fury, le truc genre, tu sais, le truc complètement improbable que tu ne trouves pas dans un gros magasin qui normalement est spécialisé pour ça. Bon après voilà, comme je dis là, c'est peut-être un cas particulier du fait qu'ils aient dû acheter un stock, je pense, et je pense oui que c'est un stock de graisse parce que si on regarde derrière, il y a une étiquette AS Company sur chaque figurine avec justement des inscriptions écrites en caractère d'un grec justement. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce à quoi ça ressemble. Je crois que c'est oui. .gr, ça doit être la grâce. Donc je pense qu'en fait c'est un stock grec qu'ils ont dû racheter, je ne sais pas où, de jouets de 2008, et comme je l'ai dit, bah 2008 c'était l'époque justement pour Power Rangers, c'était à cette époque-là ça tombait sur Jungle Fury, du coup bah c'est ces figurines-là. Du coup si ce magasin pouvait continuer de faire importer des stocks, moi je serais content, hein, franchement, si vous pouviez m'importer du RPM pour avoir les Paléo Rangers, qu'est-ce que j'aimerais avoir les Paléo Rangers, s'il vous plaît. Commandez-moi un stock de figurines de 2009, s'il vous plaît. Bref, en tout cas, ben voilà, ça pour dire que je suis content de les avoir, du coup, ben voilà, je les garde un peu sous blister pour l'instant, j'ai pas envie de les déballer, je les garde un peu, parce que c'est un petit peu, entre guillemets, des collecteurs pour le coup, c'est pas le genre de truc qui arrive à tout le monde, donc voilà, j'ai envie de les laisser un peu comme ça pour l'instant, je les ai rangés dans mon placard et je les touche pas, et mais après, cela dit, ça ne veut pas dire que je ne les déballerai pas, hein. Pour l'instant, j'ai envie de les laisser un peu, mais il est très probable qu'un autre jour, dans un autre vlog peut-être, ou dans une autre vidéo, j'en fasse une review, je déballe, voilà, puis en plus, on en a quand même 4 à déballer, donc ça ferait quand même beaucoup de temps, sachant que j'ai encore des choses à dire après. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de faire non plus une vidéo qui va durer 3 heures. Donc voilà, mais c'était pour vous dire ça, pour filer le tuyau éventuellement s'il y aurait un intéressé, parce qu'il y en a encore, hein, un magasin, ils en ont remis visiblement après mon passage. Il y en a encore un petit un de chaque, en tout cas. Donc je sais pas combien de temps il y en aura, mais si vous êtes à proximité, allez-y, go, foncez. Et au final, c'est assez dingue quand même de se dire ça, c'est que bah, je trouve que finalement, bah, c'est quand même fou, de par le fait que justement, on en reparlera après, je pense aussi, parce que ça va être quelque peu lié à tout ça, mais par rapport à Hasbro qui ne fait justement que nous rééditer des produits Mighty Morphin et qui ne réédite absolument rien des autres airs, et bah, au final, qui se retrouve être les héros, bah, c'est Intermarché, voilà, Intermarché qui nous ramène du Jungle Fury, bon, même si c'était pas volontaire de leur part, clairement, j'imagine, mais c'est quand même eux, d'une certaine manière assez ironique, les héros qui vont nous ramener justement eh bien, des figurines du passé. Voilà. Et pas Hasbro qui sont pourtant aux commandes de la franchise. Truc de fou. Enfin bref, voilà, je pense que du coup j'ai dit tout ce que j'avais à dire voilà, sur ces figurines. Vous avez vu vite fait les packagings, hein, j'essaie de vous les montrer. Je vais peut-être vous les montrer un par un quand même. Voilà, le Spirit Ranger du coup chauve-souris, hein, que vous avez vu là, le Spirit Ranger requin. Avec derrière justement, voilà, vous avez l'éléphant en bas, là, donc un peu caché par l'étiquette, mais il y a l'éléphant de la gamme. Le rouge, le Spirit Requin, bon, c'est celui-là. En plus, c'est des figurines qui sont
pas trop mal. Je veux dire, dans l'ensemble, il y a du détail de peinture. Il y a même le petit torse qui est chromé, ça c'est cool. Ça, voilà, ça c'est le chrome. C'est, je vous disais, la fin de l'ère Disney, c'est la dernière fois qu'on avait du chrome. Hein. Entre ça, les figurines motomorphes de RPM. Vraiment, voilà, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est les différentes pièces. Hein. Vous avez le plastron ici, vous avez une jambière. Voilà, c'est vraiment une miscloth, hein, littéralement. C'est comme une miscloth de Sensei. Vous avez vraiment les pièces d'armure qui vont après former un totem animal et qui après peuvent se mettre en armure sur le personnage. Donc, pour le coup, j'aime bien le concept parce que moi, j'aime bien justement les miscloths Sensei. Donc, bah, j'aime beaucoup. En plus, c'est cool que ce soit tombé là-dessus, quoi. Voilà. C'est pas des figurines complètement débiles, en plus, quoi. Voilà. Le Ranger bleu. Et le Ranger rouge. Voilà. Voilà, et du coup, comme je vous disais, je sais pas si vous les aurez bien vus, mais voilà, il y a aussi le Ranger rouge et le Ranger bleu, version gorille et version antilope. Voilà. Donc en tout, vous en avez 7 de figurines. Bon, pas de Ranger jaune, par contre, voilà. Ça, c'est une gamme exclusivement réservée aux garçons, pour le coup. Ça, il n'y a pas à dire. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ces figurines. On verra si par la suite j'en fais un déballage review sur la chaîne. Je pense que ça pourrait arriver, mais pour l'instant, voilà, je les laisse encore un peu sceller. Voilà. On garde un peu les collectors. Allez, sur ce, on passe à la suite. Maintenant, on va redescendre encore plus dans le passé de l'histoire des Power Rangers. On va revenir aux origines, à 93, plutôt 94, puisque là, on va parler justement de la saison 2 de Mighty Morphin Power Rangers, comme je vous l'ai annoncé. Je vais faire ma petite critique, même si je l'avais déjà fait sur Facebook, mais là, je vais le faire en vidéo parce que j'ai des choses à dire, à ajouter. Et puis surtout, que c'est intéressant de par le fait que j'ai visionné aussi Gosei Sentai Die Ranger. Enfin, j'ai pas complètement fini, il me reste deux épisodes que je vais regarder ce soir, donc je termine concrètement mon visionnage de Gosei Sentai Die Ranger, donc le Sentai sur lequel la saison 2 de Mighty Morphin est basée, je le termine ce soir. Voilà, et ben, je vais en avoir des choses à dire, là, je vous le dis, surtout avec les quarantenaires pro MMPR, qui vont après aller bâcher justement les séries Megaforce, Super Megaforce, Ninja Steel et compagnie. Alors, je ne sais même pas par où commencer en fait. Vous savez, si vous avez suivi la chaîne, hein, j'ai fait une vidéo en deux parties en quelque sorte. Enfin, j'avais fait une première vidéo où je disais concrètement ce que je pensais de la saison 1 à l'époque où j'étais en train de la visionner. J'étais arrivé à l'épisode 30 à cette époque-là. Je vous avais dit que j'étais extrêmement choqué, extrêmement déçu, extrêmement triste de me rendre compte qu'en fait je m'étais fait prendre pour un con depuis des années en fait, littéralement. Parce que depuis des années, comme je pense beaucoup d'autres jeunes hein, parmi les fans de Power Rangers, comme sur internet les quelques en tout cas en français on a des personnes sur YouTube qui sont bon majoritairement anglophones et après on a quelques petites personnes francophones mais bon là encore le francophone je peux pas trop parler parce que là en francophone il n'y a pas vraiment de vidéastes réellement qui ont parlé bien de Mighty Morphin en tout cas mais voilà le fait est que sur le net on retrouve très souvent les personnes qui sont le plus présentes sont les anciens qui ont connu la toute première génération de Power Rangers qui ont grandi avec et qui ne font que nous répéter à longueur de journée ô combien Mighty Morphin hein, c'était merveilleux, c'était la vie, c'était ceci, c'était cela, aucune autre série Power Rangers ne peut matcher avec, enfin c'est en gros soit c'est sensationnel, c'est la révolution quoi, c'est la renaissance, c'est ta vie est changée après avoir vu ce truc. Alors oui, pour le coup, ma vie a été changée après avoir vu Mighty Morphin. Je peux vous le dire que pour le coup, oui. Effectivement, il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a le assez avant visionnage de Mighty Morphin, il y a le assez après visionnage de Mighty Morphin. Seulement pas vraiment dans le sens où beaucoup auraient pu l'attendre en fait. Bah oui, parce qu'en fait, je me rends compte que depuis des années, du coup, j'entends ça, comme beaucoup. Beaucoup d'anciens quarantenaires, justement. Bon après, voilà, ceux qui font vraiment des vidéos sont surtout des anglophones, qui vont toujours nous mettre... des MMPR en top, enfin je veux dire quand ils vont faire des tops, des tier list, des ceci, des cela, vous savez, les trucs où on va mesurer, on va comparer, il va toujours y avoir du Mighty Morphin en premier. Moi, à force, ça devient réellement un réel running gag pour moi de voir toujours des tops, surtout faits par des Américains, parce que le truc, c'est que tu retrouves en numéro 1 systématiquement, si ce n'est quasi systématiquement, toujours l'élément, peu importe ce dont on parle, hein, Ranger rouge, 6ème Ranger, Megazord, ceci, cela, tu retrouveras toujours en premier du MMPR. Ou alors vraiment à une ou deux listes près. Alors ceux-là, c'est vraiment les héros qui méritent d'être récompensés, franchement. Donc ok, donc tu vois, quand t'as pas vu ça, tu te dis, bah ok, ça doit être bien, quoi, purée, tu te dis, voilà quoi. Surtout qu'après, bon, moi j'avais pas visionné pendant très longtemps, je l'ai déjà dit, hein, je suis de l'ère Disney hybridé un peu avec l'ère Neo Saban, donc j'ai connu un peu les séries à partir de Force Cyclone, mais bon, Force Cyclone c'était pas en cours de diffusion, hein, je suis né la même année que... Non, c'était Wild Force en 2002.
Ouais, donc non, je suis né l'année de Wild Force, mais en tout cas, j'ai visionné Force Cyclone des années après. C'est la première série Power Rangers que j'ai regardée en version américaine. Enfin, en tout cas, pas que j'ai regardé complètement, mais que j'ai regardé en tout cas sur lequel j'ai posé les yeux, vraiment, véritablement. Donc j'ai grandi avec cette époque-là. Après, voilà, vous voyez tout ce qui est Mighty Morphin justement jusqu'à Wild Force à peu près, j'avais pas vu. Je regardais que de très loin les openings, les ceci sur internet et les avis tellement dithyrambiques. Sur les Time Force, sur les ceci, sur les cela. Alors, les Time Force, j'ai aucun problème avec ça, parce que Power Rangers Time Force, je l'ai regardé l'année dernière, et rien ne m'a choqué, si ce n'est que j'ai été choqué même positivement. Parce que, effectivement, ça a un peu vieilli, certaines choses, mais l'histoire reste quand même très bien, reste très solide. Alors, même si j'ai préféré après la version Sentai que j'ai regardée juste après, Mirai Sentai Time Ranger est beaucoup mieux, un peu mieux quand même, je trouve, mais quand même, Power Rangers Time Force, j'ai du respect pour cette série, parce que elle copie-colle un peu le Sentai, ce qui ne me gêne pas moi personnellement, parce que justement le but hein, de base d'exporter une série, c'est d'exporter son succès, donc son histoire entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour moi je n'ai aucun problème avec les séries entre guillemets copier-coller en Power Rangers. Parce qu'on veut exporter le succès de leur Sentai, c'est logique. Donc en l'occurrence, j'ai trouvé Time Force très bien, donc j'ai pas de raison de me plaindre. Beaucoup de gens disent du bien de Power Rangers Time Force, bah, c'est très bien, c'est une bonne série, il y a eu des efforts, après on aime ou on n'aime pas, mais il y a eu des efforts. Il y a une réalisation objective qui est bien fichue. Il y a quand même quelque chose. Du coup, tu regardes ça, après j'ai regardé Light Speed Rescue, ou pareil, bon, Light Speed Rescue, j'ai un peu moins aimé que Time Force, mais c'était quand même bien. Et en plus, il y avait le Titanium Ranger qui était vachement cool et qui était complètement exclusif. Ça, c'était cool. Donc tu peux comprendre qu'il y ait des bonnes critiques, en fait, faites, qu'il y ait des bons arguments valides de la part des anciens pour, entre guillemets, défendre cette série. Après, on vient au fait où je me dis, je vais regarder Mighty Morphin. Et là, bon, je vais le faire très vite parce que j'ai déjà pas mon raconté. Je me dis, bah, ça va être bien, vu que tout le monde me dit depuis toujours que c'est génial, c'est la vie, c'est l'année, c'est cela, ça va être magnifique. Je vais en prendre plein les yeux. Même si ça va avoir un peu vieilli, c'est sûr, hein, c'était kitsch, le doublage sera peut-être pas au top, mais je vais quand même en prendre plein les yeux. Narrativement, il va y avoir un truc, parce que sûrement tellement, hein, Jason c'est tellement a great leader, et Tommy is so much the best Sixth Ranger ever, comme disent les Anglais, hein. Donc je vais purée, ils vont m'en mettre plein la vue. Je regarde et là bah, voilà bah, le verdict il a été là quoi, c'est que les premiers épisodes bon je me dis c'est pas ouf mais je me dis il faut que je vois, il faut que j'attende parce que le Sentai très souvent aussi c'est ça, par exemple Die Ranger aussi alors non pas que j'ai pas aimé hein, les premiers épisodes de Die Ranger sont quand même bien hein, surtout on a quand même un petit peu de développement, on y reviendra mais c'est marrant parce que je me dis, mais c'est pas grave, parce qu'il faut toujours laisser un peu le temps d'apprécier, de commencer à connaître les personnages, pour voilà, pour commencer à les comprendre un peu leur caractère, et tout ça, c'est toujours ça une série Sentai. Gogo Five, ça avait été ça, il faut toujours prendre le temps de s'acclimater. C'est vrai qu'au début, bon, c'est une série pour enfants, donc évidemment, très souvent dans les séries Sentai, ils vont pas prendre le temps de bien introduire idéalement, peut-être comme il faudrait toujours, donc ils vont très vite nous balancer les transfos, les robots, et ceci, donc des fois c'est un peu rapide le départ de Sentai, comme Gogo Five, j'avais trouvé par exemple. Die Ranger aussi, c'est un petit peu rapide, mais c'est pas non plus problématique comme pas possible en fait. Ça veut dire ça reste un divertissement qui se regarde, voilà, qui évidemment ne plaira pas forcément à tout le monde, mais en tout cas quand on est dans le délire, on peut très bien apprécier, il n'y a pas de souci, voilà, on se dit, écoute, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas passé un moment extraordinaire, mais j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Donc on va attendre de voir. Et voilà, et puis après, bah, effectivement, c'est toujours ça dans les séries Sentai, surtout dans les anciennes de 90 que je regarde, bah, c'est qu'après, voilà, t'arrives à la vingtaine, là, ça y est, tu commences vraiment à accrocher, tu connais bien les personnages, il y a le sixième qui arrive, l'histoire se met bien, tu t'attaches aux méchants, et là, pouf, tout se fait, le charme se fait, tu continues ta série, tu la termines, et tu l'as adoré au final. Donc je me suis dit, bah, écoute, Mighty Morphin, il va falloir faire pareil, c'est comme Time Force, il va falloir prendre le temps, au début on est un peu, voilà, c'est nouveau, et après on va apprécier. Et ben voilà, j'ai enchaîné donc les épisodes, et c'est à l'épisode 16, je crois, la première fois, c'était l'épisode de l'avion, justement, où Kimberly embarque Skull et Bulk, elle est avec son oncle en avion, elle a embarqué Skull et Bulk. C'est là où vraiment j'ai eu la réalisation, c'est-à-dire que là je regarde un petit peu, là, je continue à regarder, et là j'en viens vraiment à un point où je me dis, mais en fait, c'est quoi cette merde en fait, quoi. Littéralement, j'utilise un terme un peu cru là, mais c'est quoi cette merde en fait. Littéralement, là je me dis, on est quand même à l'épisode 16. Comparé à ce qu'on m'a vendu, je m'attendais à mieux. Là, clairement, je me dis, c'est pourri, quoi. Littéralement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est? Je me dis, c'est pas possible. Là, il n'y a rien qui est crédible, il n'y a rien qui est sérieux, il n'y a rien qui va. Le montage est catastrophique, le doublage est catastrophique, l'acting est bof pour certains.
J'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce truc en fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté pendant toutes ces années en fait? C'est là que j'ai commencé à me barrer le truc, mais là encore. Parce qu'il faut dire que j'ai. Vous savez qu'aujourd'hui maintenant je déteste Mighty Morphin à un point où c'est le non-retour, hein. Je déteste plus que tout au monde Mighty Morphin. J'ai détesté en plusieurs temps. Déjà je commence à détester parce que commencer avec Hasbro arrivé, l'oversaturation de toujours les mêmes choses ressorties, machin, ceci, cela, dont on reparlera après. Déjà ça, et là ça a été la deuxième couche quand j'ai regardé justement la série concrètement. Donc après voilà, il y a eu Tommy, alors voilà, le seul truc un minimum entre guillemets regardable, c'était les 5 épisodes avec Tommy qui était maléfique. C'était pas du chef-d'œuvre, contrairement à ce que certains avaient l'air de dire, mais bon, ça se regardait, on va dire, un minimum. C'était supportable, c'était vraiment la meilleure partie, je crois, de tout MMPR. Mais après, c'est retombé là-dedans, et je me suis tué pour arriver au bout. La saison 1, c'était mes 60 épisodes, mais je vous dis pas comment j'ai dû souffrir pour arriver à la fin. Et là, j'en suis arrivé à une conclusion, je suis entré dans une colère, parce que vraiment, je me dis, en fait, je me rends compte qu'on m'a pris pour un con pendant des années, en fait. Les vieux m'ont pris pour un débile, en fait. Depuis toujours, ils sont là à essayer, entre guillemets, de faire genre qu'en fait, c'est eux qui ont raison, ouais, non, mais nous, les PR de l'époque, hein, c'est rien à voir, là, maintenant, avec les Mega Force, nanani, nanana. Mais oh, TPR Mighty Morphin, tu les as revus ou pas récemment, en fait? Au bout d'un moment donné? Non, mais c'est pas... Au bout d'un moment donné, vous avez vraiment un problème, certains, quoi. Je me dis, c'est pas possible, en fait. Oh, je sais, justement, non, après, cela dit, c'est vrai que ça me met en run, ça m'énerve, hein. Vraiment, là, vous le voyez, peut-être à mon ton, je suis très énervé, parce que justement, après, du coup, ben voilà, forcément, je me suis enfilé la saison 2, qui était ridicule également, alors peut-être un poil, mais alors vraiment de pas grand-chose, un poil meilleur de par le petit côté créatif qu'ils ont tenté d'apporter, mais c'est pourri. Mighty Morphin, c'est pourri. C'est juste nul. Et là, c'est pas une question de j'aime et j'aime pas, parce que certains vont me dire, oui mais attends, toi c'est pareil, t'aimes des séries, t'aimes RPM et tout ça, mais nous aussi on pourrait dire c'est pas bien. Mais là, attendez, parce que RPM, les séries avec lesquelles j'ai grandi entre guillemets de l'art Disney, on peut aimer, on ne peut ne pas aimer, mais il y a quand même un minimum la réalisation objective qui se reconnaît dedans, pour dire que RPM, quand je vous dis que c'est la meilleure série Power Rangers, j'ai quand même des bons arguments derrière pour vous le dire, parce que bah effectivement, vous regardez la série, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des thèmes assez sombres, que c'est sérieux, vous vous rendez compte qu'il y a un bon acting, d'ailleurs on se demande pourquoi tous les acteurs, quasiment presque tous, ont retrouvé des rôles dans d'autres séries, dans d'autres productions, ou tout ça, hein, dans RPM, hein, c'est bizarre hein, ça aussi, peut-être qu'ils ont fait un super travail là aussi, hein, je sais pas, il y a une écriture, il y a un développement, il y a un excellent travail d'adaptation par rapport au Sentai dont c'est dérivé. Donc à la fois ça fait hommage en plus au Sentai, je me dis, même si c'est pas pareil, je veux dire, le Sentai il peut clairement se dire qu'il a eu une adaptation au niveau, voire même peut-être supérieure pour certains, parce que certains préfèrent RPM largement à Go Ranger, ce qui est très rare de préférer une série PR à une série Sentai. Parce qu'il y a une réalisation derrière, il y a des projets, il y a voilà, Eddie Kuzian, l'homme qui a pris ça au sérieux, qui s'est dit je vais faire un truc, on m'a donné des droits, on m'a donné l'écriture à faire, ils m'ont donné carte blanche. Il aurait pu s'en foutre faire exactement comme Saban justement avec MMPR, parce que c'est ça MMPR. MMPR c'est je m'en balance, voilà, je vais vendre des jouets et aucune saveur apportée. Voilà. Donc au bout d'un moment donné, il va vraiment falloir, moi je vous dis les anciens là, arrêter de balancer vos conneries à tout bout de champ concernant Mighty Morphin, que soi-disant il n'y a rien qui vaut ça, ceci et cela, vous avez vraiment un problème si vous dites ça. Parce que on peut aimer ou pas aimer, hein, comme je vous dis, moi je déteste, et en plus, le truc c'est qu'au bout d'un moment donné, il faut quand même reconnaître qu'objectivement parlant, rien ne va dans ces séries en fait. MMPR, c'est juste pourri. C'est la pire chose de la franchise, et donc après d'aller cracher sur des séries comme Megaforce, je veux bien que les séries ne soient pas parfaites, mais vous avez vu la gueule de Mighty Morphin. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Vous êtes là, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez vos lunettes nostalgiques qui font que ça vous cache la vérité. Du coup, après, quand vous avez été tellement habitué, vous avez regardé Megaforce, vous voyez un truc comme ça, vous dites, mais c'est quoi cette merde? Vous dites, mais c'est quoi c'est nul. Et du coup, après quand vous regardez MMPR, là, vous remettez vos lunettes, et là, du coup, c'est magnifique. Oh là, magnifique. Oh là, Tommy, nanani. Tommy, purée. Ah, j'en peux plus. Tommy. Jason, c'est ces deux-là, que tout le monde vous survend, hein, c'est les meilleurs, hein, c'est les meilleurs Rangers Rouges, ils sont exceptionnels. Ah ouais, ils sont exceptionnels, hein, c'est vrai que franchement, ils ont une évolution narrative dans l'histoire qui est impressionnante. Ils sont les mêmes du début à la fin. Ou alors, à la limite, Tommy, le seul truc qui évolue, c'est quoi? Le fait qu'il devienne Ranger Blanc?
ah ouais, waouh, waouh. Enfin bref, là, je sais même pas quoi dire face à tant de mauvaise foi, face à tant d'hypocrisie. Enfin, ça me saoule quand après on va critiquer des séries comme Megaforce. Et oh mon Dieu, ah c'est une terrible adaptation de Gokaiger et de Gosaiger, hein. Oh là là. Ah ouais, bah justement on va en venir à là justement, parce que comme je vous disais, je visionne Die Ranger. Ah Die Ranger, je peux vous dire, c'est autre chose hein, quand vous avez regardé MMPR saison 2, heureusement que j'ai regardé Die Ranger après. Ah mon Dieu, purée, on n'est pas sur le même registre, ça je peux vous le dire. Die Ranger, c'est un Sentai, bah, de toute façon c'est voilà, c'est j'ai envie de dire c'est un peu le gage de qualité japonais. Hein. C'est que là-bas, voilà, vous voyez même les trucs. Parce que pour ceux qui vont dire, parce que c'est ça que j'adore aussi avec Mighty Morphin, je m'en mêle dans toutes mes idées, mais j'en ai tellement à dire, j'espère que je vais réussir à faire court, parce que là j'en ai tellement à dire. C'est qu'on va toujours me dire, en fait il y a toujours une excuse en fait pour défendre Mighty Morphin, c'est ah ouais non mais c'était une série pour les enfants, tu comprends. Ah non mais bon si c'était l'époque, non, c'est pas une excuse parce que les trucs de l'époque, je regarde encore des films en noir et blanc de 1930, je vais vous dire, qui sont de meilleure qualité que Mighty Morphin, alors qu'ils ont été réalisés presque un demi-siècle auparavant, voire plus même. Parce qu'au bout d'un moment donné, c'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de prendre au sérieux ce qu'on produit, ce qu'on fait. Et d'avoir des plans, d'avoir des idées en fait. Pas de faire n'importe quoi, je vais vendre des jouets, bah voilà, c'est une caste 5 cadeaux, on va faire un truc de hyper lambda, caricatural, mais c'est. Et alors ceux qui vont me dire c'est le charme de Power Rangers. Ah oui, alors bon. Ok, ça peut être pour vous le charme de Power Rangers. Par contre après que je vous entende pas, je vous dis cracher sur Megaforce ou sur d'autres séries. Parce que là, je vous jure, je vais vous allumer. Hein, au bout d'un moment donné, il faut choisir, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment donné, alors si vous voulez que ça soit le charme de Power Rangers. Ok, mais que je vous entende pas après cracher sur d'autres séries. Que je vous entende pas après vous plaindre de telle ou telle autre série. Ça, je vous le dis. Vraiment. Ça me met hors de moi, vraiment. Là, vous voyez, là, je suis en train de péter un câble. Alors, parce que vraiment, ça m'énerve, en fait. J'en ai marre, en fait. Il faut démystifier de toute urgence cette putain de série qui est Mighty Morphin, en fait. C'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. D'ailleurs, il y a eu aussi sur Twitter, sur Instagram récemment, le concours qui a été fait par Hasbro. Vous avez dû le voir là où ils voulaient élire la saison gagnante entre toutes les gagnantes. Mighty Morphin saison 1 a gagné contre Power Rangers RPM. Si vous me connaissez, vous savez très bien ce que ça veut dire pour moi. Power Rangers MMPR, Power Rangers RPM contre MMPR saison 1, c'est littéralement le meilleur contre le pire. Et 68% des votes ont supposément élu le pire. Même pas quoi dire. Après cela dit, voilà, comme je dis, c'est très enrichissant. D'un autre côté, c'est un phénomène assez intéressant aussi parce que c'est enrichissant de par le fait que je me rends compte ô combien la nostalgie a un pouvoir démentiel en fait. Je me rends compte ô combien en fait, je m'étais jamais rendu compte à ce point. Mais vraiment là maintenant, je me rends compte de ce que ça veut dire vraiment en fait. Parce que prenez cette connerie qui est Mighty Morphin Power Ranger sans âme, sans saveur et la mettre sur un piédestal, c'est que vraiment. Là, la nostalgie est liée, parce que vraiment, je peux vous dire, mais si vous êtes jeune comme moi, mais si est-ce que vous avez déjà vu Mighty Morphin? Si vous n'avez jamais vu Mighty Morphin, vous allez vous dire, purée, j'ai jamais entendu ça sur Mighty Morphin, mais ou bien sûr, vous l'avez jamais entendu, on vous sort toujours les mêmes disquettes, que c'était magnifique, que c'était ceci, que c'était cela, ou alors au pire, que c'était, ça va, non, non, ça va pas, je suis désolé, Mighty Morphin, ça va pas, il n'y a rien qui va à tous les niveaux, au bout d'un moment donné, comme je vous dis, c'est pas une question de moi, j'aime pas, là, c'est vraiment que, objectivement parlant, la réalisation est chaotique, le montage est chaotique, le doublage est chaotique. Ça adapte n'importe comment le Sentai d'origine. C'est n'importe quoi. Pour en revenir justement à là, je m'interromps dans tous les sens, Die Ranger, justement la série Super Sentai sur laquelle est basée MMPR saison 2. Mais c'est magique. C'est là qu'on se rend compte combien les Japonais prennent au sérieux les enfants. On leur vend des jouets, d'accord. On fallait leur vendre un Dairen Ho, il fallait leur vendre un Aura Changer, un Kiba Changer, des figurines, des motos. Ok. Mais ça ne nous empêche pas de faire un contenu qualitatif. Ça ne nous empêche pas de faire un truc qui va nous apprendre des choses avec vraiment bah des personnages qui évoluent. Des personnages. Pas comme des Tommy qui sont des que dalle. Tommy, vous croyez que c'est un personnage? Moi, je vous le dis ce que c'est Tommy. C'est juste un personnage, entre guillemets, qui s'est fait son truc sur de la popularité. Mais le personnage n'a aucune qualité plus que ça. Je vous jure, il y a un truc dans le doublage, à un moment donné, j'ai explosé de rire, parce que je me suis dit, mais c'est ça qu'on prend pour le meilleur sixième ranger de tous les temps, le meilleur ranger à la légende et ceci et cela, où la VF est tellement mal foutue, alors là c'est un problème de la VF parce que c'est pas le cas dans la VO, mais vous êtes sérieux quand je vois ça? Je me dis, parce que le Patrick Poivet qui fait la voix de Tommy, avait fait une voix où Tommy chialait en fait, quand il était face à leurs aides. Je vous mettrai l'extrait si j'essaierai de vous le mettre là, je fais un freeze là. Il en sera de même pour tes amis. Non. Non, c'est impossible.
t'en tireras pas comme ça, Seigneur Z. Mes amis ne te laisseront pas faire. Juste pour vous mettre l'extrait, hein, pour vous illustrer ce que je veux dire. Et ça, pour vous, c'est le meilleur ranger de tous les temps? Arrêtez. Arrêtez. Au bout d'un moment donné, il faut arrêter les bêtises, quoi. Enfin bref, donc du coup, par rapport à Die Ranger, c'est n'importe quoi. Ça prend pas du tout... Enfin, je veux dire, c'est une adaptation, c'est même pas une adaptation à ce stade. C'est, là, d'autant plus de par le fait que ça s'adapte même pas les costumes à part celui de Kiba Ranger qui devient le costume de Ranger blanc de Tommy. Mais c'est n'importe quoi. On aura l'occasion d'en reparler, je vous expliquerai après dans la conclusion. Mais c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter en plus de faire genre, ah, oh, Gokaiger a été ruiné par Super Mega Force. Ouais, mais mon con, t'as vu ce que MMPR est à Zuranger, à Die Ranger et probablement à Kaku Ranger. Ça, je le verrai quand j'aurai vu la saison 3. Mais probablement que Kaku Ranger, c'est pareil. Que Kaku Ranger s'est fait défoncer. Arrêtez. Au bout d'un moment donné, prenez du recul sur vous-même. C'est pas possible, en fait. J'en ai marre, quoi, je vous jure. Et en plus, maintenant, c'est lié par le fait que, ben voilà, maintenant, Hasbro ne réédite que des produits Mighty Morphin en permanence, et que toujours, vous êtes là à les acheter, quand même vous en avez plein les placards, pour en plus une série qui est pourrie. C'est ça qui est triste, en plus, c'est que la série n'est même pas bonne. Vous achèterez du Time Force à abondance, bon, des fois, à force, peut-être que ça me saoulerait à force, mais je me dirais au moins, quand même, que la série sur laquelle c'est basé, il y a quand même un peu de quoi, parce que c'est bon. Mais là, MMPR, il faut arrêter. Mighty Morphin, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter, au bout d'un moment donné. Enfin bref, en tout cas, voilà, vous avez compris, moi, ça va paraître ingrat, peut-être d'une certaine manière, de dire ça, parce que, d'une certaine manière, Mighty Morphin a tout démarré dans Power Rangers, et a apporté le pire, mais aussi le meilleur, mais très honnêtement, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où Mighty Morphin, je gerbe dessus, littéralement. Ça m'a tellement saoulé. Les hypocrites m'ont tellement saoulé. La dernière fois, je vois encore quoi un commentaire qui dit « Les gens détestent MMPR parce que c'est trop génial. » C'est trop génial, mais explique-moi alors. Qu'est-ce que tu vois de si génial dedans? Parce que moi, je vois pas personnellement ce qui est objectivement génial. En fait, je veux dire, c'est ça. C'est que ça peut être votre série préférée. C'est un peu triste parce que c'est pauvre en qualité. En fait, c'est votre série préférée, soit. Mais ne me dites pas que c'est la meilleure. Ne me dites pas que c'est la meilleure parce que c'est pas vrai. Vraiment, arrêtez de prendre les jeunes pour des cons parce que vraiment, ça commence à m'énerver. Moi, au bout d'un moment donné, vous m'avez pris pour un con pendant des années. Et là, je vous jure, ça, vraiment, là, je l'ai mal parce que pendant des années, justement, moi, j'étais là en mode, je crachais sur Megaforce, je crachais sur Super Megaforce parce que dans ma tête, je me disais qu'ils étaient cons ceux qui aimaient Megaforce et Super Megaforce. Quand j'étais plus jeune, quand je devais avoir 15-16 ans. Mais maintenant, je me revois, mais je me dis, mais... Qu'est-ce que j'étais pas prêt, en fait? Qu'est-ce que j'étais pas prêt? Donc enfin bref, tout ça pour dire stop, MMPR saison 2, c'était ridicule, je n'ai quasiment rien aimé, le doublage est toujours aussi pourri, c'est des trucs, mais c'est chaotique, c'est se tordre de rire, mais ils vont pas dans le bon sens. Le montage est foireux, il y a des faux raccords, c'est n'importe quoi, enfin c'est interminable, c'est long, on n'en finit pas, c'est ridicule, c'est infernal. Je vous jure, vous n'avez pas de nostalgie, vous n'avez pas l'envie, comme moi, d'aller jusqu'au bout pour histoire d'avoir tout vu, mais jamais vous n'aurez la force de visionner toute la saga Mighty Morphin. C'est impossible. C'est beaucoup trop chiant. C'est interminable. On se fait chier, on n'en finit pas. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que la saison 2 a été pourrie, presque autant que la première. Allez, je dirais qu'elle était un poil meilleure de par le brin de créativité qu'elle a tenté d'apporter, mais ça reste de la dope, ça reste nul, et vous allez vraiment par pitié me faire le plaisir, s'il vous plaît, d'arrêter de prôner ce qui n'est pas à prôner. Il faut démystifier d'urgence cette série, parce qu'il y en a marre qu'elle passe pour la légende, pour le cela comme si on vivait que pour Tommy, que pour Mighty Morphin, alors que c'est juste les pires choses dans la franchise. Voilà, aujourd'hui je déteste Tommy Oliver plus que jamais. Je déteste Mighty Morphin Power Ranger. Je déteste tout ce qui s'apparente à Mighty Morphin. Voilà. Aujourd'hui, Zuranger, MMPR, je suis puriste Sentai à 10 000% quand il est question de comparer Zuranger à MMPR, ou Die Ranger à MMPR, ou probablement aussi Kaku Ranger à MMPR. parce que là, stop. Là, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Là, franchement, vous m'avez vraiment pris assez pour un imbécile. Là, ça suffit. Donc là, bien sûr, même que maintenant, je vais devoir attaquer bientôt la saison 3. Oh mon dieu, que j'ai peur, parce qu'en plus, ça va être les pouvoirs ninja. Nanani, je sais pas quoi, les conneries encore qu'ils vont nous faire. On est reparti pour 40 épisodes de torture. Mais bon, au moins, je vais achever l'arc MMPR. Mais c'est plus possible, hein. Vraiment, je vous dis, là, je stresse à l'idée de commencer MMPR saison 3. Là, je suis triste déjà de finir Die Ranger, et en plus de dire que je vais commencer MMPR saison 3. Enfin voilà, bon bref, écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai assez gueulé là, mais voilà, c'était l'instant coup de gueule, c'était mon énorme coup de gueule.
encore une fois sur MMPR, sur la saison 2 qui était complètement bidon, voilà, tout ce que j'en pense de la série, de toute façon vous avez fait un petit post aussi, mais tout est invraisemblable, c'est ridicule quoi, Mighty Morphin saison 2, ridicule, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, voilà. Je crois le mot qu'on n'a pas fini encore cette discussion, il y aura encore des choses à venir là-dessus, je vous le dis, on se retrouve à la conclusion pour parler de tout ça. Maintenant, on passe à la partie suivante. Voilà, et bien on a parlé du passé un petit peu de Power Rangers, donc maintenant on va se diriger vers l'époque un peu plus moderne avec bah, justement l'actualité, donc les Power Rangers Dino Fury et surtout les Power Rangers Cosmic Fury qui ont été annoncés, qui seront donc la prochaine équipe, la prochaine saison. Alors en fait, la prochaine équipe qui sera en fait ni plus ni moins que l'équipe Dino Fury apparemment, d'après ce qu'on nous a annoncé, sera le casting sera toujours le même. Ils vont changer de couleur, de costume, de Zord a priori. Alors c'est vrai que voilà, quand le titre a été lâché Cosmic Fury, on se demandait bel et bien si finalement ça allait pas être une adaptation de Q-Ranger, parce que Cosmic, bah, comme l'espace comme Q-Ranger, donc voilà. Bon, au passage on a critiqué aussi le manque d'originalité parce que le Fury deux années de suite. Voilà, Dino Fury, deux années de suite, deux saisons à la suite, enfin deux histoires techniquement à la suite, hein, Dino Fury, Cosmic Fury. Alors voilà, finalement ça a sa justification de par le fait que ce soit vraiment la suite, hein, on le voit puisqu'il y a toujours le logo de dinosaure. Donc oui, a priori ça ne serait pas Q-Ranger parce qu'il n'y a pas de dinosaure dans Q-Ranger, donc il n'y a rien du tout qui s'apparente au dinosaure dans Q-Ranger, donc quel pourrait être le lien. Kira Major encore moins, enfin encore que Kira Major, ouais, on a le machine Joki si on veut, mais enfin c'est plus un Godzilla, j'en sais rien, mais... Non mais enfin bref, tout ça pour dire qu'en tout cas les Kira Major et les Q-Ranger, à mon avis, il ne faudra pas compter dessus parce que ça ne semble pas être bah, justement des séries potentiellement adaptables là-dessus sur ce qui a été annoncé. Voilà, donc a priori c'est une continuité de Dino Fury, série que j'ai pas déjà... enfin... Je redirais toujours pareil, ça fait peut-être la mauvaise langue alors que je n'ai pas vu la série en intégralité parce que je me suis arrêté aux deux premiers épisodes. J'avais regardé les deux premiers épisodes quand ça a commencé. Mais le fait est que ça ne m'a tellement pas hypé. Et je n'aime tellement pas le casting aussi. Je n'aime pas le casting, je n'aime pas ce qui est fait en termes de lore, en termes d'histoire, que du coup bah, j'ai pas regardé. Parce que j'ai aucun intérêt en fait pour Dino Fury spécialement. Tout ce qui m'intéresse finalement à la limite c'est un peu les jouets de Megazord en fait. Donc, ce qui sont à la limite c'est les meilleures choses qu'on puisse trouver pour moi à ce propos. Mais je n'ai pas aimé, puisque enfin, la série je sens que je ne vais pas l'aimer quand je vais devoir la regarder concrètement. Je vais bien y arriver à un moment donné, mais pour l'instant vous voyez que ça a été loin d'être ma priorité parce qu'on regarde, on a la fin quasiment, hein, on arrive à la fin et je n'ai toujours, bah, j'ai toujours pas vu quoi, en fait. Donc alors que... Oui, je suis fan de Power Rangers, mais comme je vais justement en venir, les séries modernes, en fait, ne me parlent plus. Les séries modernes ne m'intéressent plus. Ça avait déjà commencé avec Beast Morpher, j'étais déjà très réticent quand c'est sorti. Puis Beast Morpher, je l'ai regardé en entier, et j'ai trouvé ça ok, mais sans plus, quoi. Et moi, j'ai pas peur de le dire que c'est sans plus, quoi. Parce que je trouve que là aussi, il y a un vrai problème dans la manière dont s'exprimer des fans. De dire que Power Rangers Beast Morpher était super, que ça fait renaître la franchise, non. Je ne sais pas si on peut dire que Beast Morpher est super objectivement parlant, parce que bon, il y a quand même eu un certain travail certes pour au niveau des images, pour faire des images 100% US, hein, pour justement permettre d'avoir des nouvelles choses. Mais sur le plan, sur la façon dont c'est fait, je suis désolé, mais moi ça change pas beaucoup de l'Arnaud Saban. Il y a toujours le comique à deux balles, c'est toujours aussi lisse, c'est toujours sans égratignure, hein. Les personnages sont tellement toujours aussi clean, hein, même quand ils se prennent des coups de malade. Non, pour moi ça ne change pas de l'Arnaud Saban, il faut arrêter. Ça n'a rien de révolutionnaire, Beast Morpher, de ce point de vue-là. Ça vient juste apporter, entre guillemets, les concepts d'Hasbro. Que moi j'adhère pas avec, donc moi ça ne m'intéresse pas plus que ça déjà, donc c'est pour ça que Beast Morpher j'ai regardé, mais c'était pas la joie. Bon, évidemment maintenant j'ai vu Mighty Morphin, comme je vous dis, je relativise beaucoup, évidemment, mais c'est plus ce que c'était concrètement, pendant l'art Disney en tout cas pour moi, en termes de niveau narratif, en termes de niveau de format, c'est plus pareil quoi, voilà. Alors le truc que Hasbro fait vraiment bien, c'est les jouets de Megazord, pour l'instant je trouve que les jouets de Megazord US que j'en ai pas encore en Dino Fury, mais en tout cas j'ai les Beast Morpher qui sont plutôt pas mal, ça va. C'est pas les Go Busters, mais on va dire qu'ils ont des plus-values à apporter, c'est déjà le principal.
Mais enfin voilà, donc ça pour dire que voilà, j'en arrive à ça, les Power Rangers d'Hasbro depuis quelques années, et ça ne me parle plus parce que maintenant ils visent vraiment un public très enfantin. Et contrairement à Disney, alors Disney c'est vrai que c'est drôle parce qu'ils faisaient Power Rangers vraiment à contre-cœur, hein, vraiment ils avaient pris ça de base juste pour faire remonter un peu leur audience de leur série pour enfants ados, mais ironiquement c'est eux qui se sont débrouillés pour nous faire le meilleur quoi. Hein, sans aller forcément jusqu'à prendre l'extrême de RPM, parce que RPM c'est un peu spécial dans le sens où c'est vraiment renégat, c'est arrivé dans un contexte parce que vraiment les choses ont fait que. Mais genre voilà, des séries comme SPD, des séries comme Ninja Storm qui sont bien réfléchies, qui ont une histoire, qui ont des personnages qui évoluent, voilà, contrairement à Mighty Morphin notamment. Mais bon, aujourd'hui c'est peut-être pas aussi mauvais dans la réalisation que Mighty Morphin, bon ça c'est clair. Mais je trouve, voilà, le contenu ne me satisfait pas pour autant non plus. C'est pour ça que moi je suis vraiment en fait en plein milieu. C'est-à-dire que vraiment, c'est ça. C'est qu'en fait, moi je vois vraiment les deux extrêmes. C'est que d'un côté je vois les vieux avec MMPR qui sont là à te dire que c'est le meilleur, que ceci, cela, c'est bon, on a juste envie de leur dire de se taire parce que c'est n'importe quoi, littéralement. Et de l'autre, bah, je vois tous les jeunes, tous les nouveaux qui sont à fond sur les nouveautés, qui sont là, qui sont hypés, hein, dès qu'il y a une news qui sort, hein, comme toute fanbase en fait. Et ça, je me dis que j'appartiens pas vraiment à la fanbase Power Rangers parce que bah, moi je suis pas hypé. Donc, j'avais déjà dit, hein, parce que quoi, je vous rappelais que même au tout début de la chaîne, j'avais déjà fait un coup de gueule, ça avait été une des premières vidéos, où j'avais parlé notamment de la qualité piètre, de la manière dont les Russell de Russell avaient été adaptés dans Dino Fury, justement, les jouets qui c'était n'importe quoi pour moi. Et j'avais dit que les séries ne me parlaient plus trop. Et que justement, bah, chaque fois que je checkais les news, c'était la déception, enfin, c'était pas la joie, enfin, j'avais pas ce truc de me dire « Ah ça c'est super, c'est une bonne idée, j'ai plus ça ». Et bah ouais, c'est ça en fait, c'est ça me manque, je ne le connais plus ce sentiment depuis Dino Charge. En fait, Dino Charge, j'ai la dernière série que j'ai appréciée, comme j'ai déjà dit. Je ne ressens plus ce sentiment d'être agréablement surpris, d'apprécier ce qu'il y a dans Power Rangers. Et bah, ça me manque, et du coup c'est pour ça que moi j'en viens à ça, c'est que là voilà, par rapport à Cosmic Fury, donc qui sera la continuité des Dino Fury, comme on nous a annoncé, bah, j'ai aucune hype. Voilà, je vois que beaucoup de monde, hein, notamment Altarian, hein, a la hype, beaucoup de gens ont la hype sur internet, hein, partout, sur les forums. Moi j'ai pas la hype. Ma hype est enterrée, ça ne m'attire pas, ça ne me dit rien de bon, parce que déjà c'est les mêmes personnes qui vont s'y prendre qui ont fait Dino Fury. C'est toujours les mêmes acteurs, donc le casting que j'ai pas aimé déjà, le casting de Dino Fury j'aime pas du tout, je n'aime pas les personnages, a priori ils ont vraiment pas l'air terribles. Non, après c'est vrai que je suis peut-être un peu, là c'est vrai que ça fait un peu mauvaise langue quand même parce que j'ai pas vu, mais en tout cas le casting ne me parle pas, et ça pour moi c'est un des points fondamentaux, c'est ce qui fait vraiment des fois la force même des séries Sentai, c'est le casting qui est excellent. Le casting permet vraiment de faire vivre le personnage et c'est ça qui fait qu'on l'apprécie aussi. Si le casting ne nous plaît pas, il y a peu de chances que le personnage nous plaise, et par conséquent, il y a peu de chances que l'histoire derrière nous plaise. Donc c'est, je pense, le cas ce qui va se passer avec Dino Fury, surtout qu'en plus, maintenant, avec les trucs de politiquement correct d'Hasbro qui abusent comme pas possible dessus, parce que c'est leur spécialité. Voilà, c'est vraiment pas c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon délire, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, moi ça ne me parle pas, c'est pas quelque chose qui fait pour moi. Alors bon, du coup, c'est pour ça que je dis que moi, je n'ai pas la hype, et je pense qu'en fait concrètement, de toute façon, Cosmic Fury sera la dernière chance, entre guillemets, que j'accorderai à Power Rangers, en tout cas à l'actualité de Power Rangers. Vous savez, ça fait depuis un moment que j'hésite à arrêter, en fait. Ça fait à arrêter de suivre l'actualité de Power Rangers, parce que comme je vous dis, c'est déception, c'est toujours des déceptions sur des déceptions sur des déceptions. C'est jamais de la joie de me dire « Ah oui, cool, ils vont l'adapter, ils vont bien le faire, et ça c'est une bonne idée de faire comme ça ». Non, je n'arrive pas à ressentir ça depuis que c'est Hasbro. Bon, il y avait des choses à critiquer dans la Neo Saban, mais surtout depuis que c'est Hasbro, ils amènent des concepts à eux qui sortent de nulle part, ils sortent des choses du chapeau, c'est... En fait, rien n'est impossible en matière de narration, mais je trouve qu'ils ne le font pas bien, ce qu'ils veulent faire, en fait, concrètement. Et du coup, voilà, pour notamment l'idée de la grille et tout ça, pour moi, c'est pas bien amené comme il faut. Peut-être que ça aurait été possible si on avait fait bien comme il faut, mais là, c'est... J'aime pas la manière dont ils ont fait, ça ne c'est pas pour moi, enfin ça sort trop de nulle part, c'est pas les Power Rangers que j'ai connus, je ne me retrouve pas là-dedans en fait. Et j'en ai un peu assez en fait en quelque sorte. Et c'est pour ça que je l'ai dit déjà dit à plusieurs personnes, mais moi, Cosmic Fury sera concrètement la dernière chance que j'accorde. Si, c'est pour ça que la série a intérêt à envoyer du lourd dès le départ, j'essaierai de trouver un site de streaming pour la regarder, parce qu'a priori ça serait maintenant sur Netflix et tout ça, mais bon moi je suis anti-Netflix, donc je regarderai pas sur Netflix, je créerai pas de compte là-dessus, c'est hors de question. J'essaierai de trouver un truc pour la regarder, mais c'est intérêt à prendre très vite parce que sinon ce sera là mon contrat de divorce avec l'actualité de Power Rangers. Parce que comme je dis, ça fait longtemps que j'hésite, depuis Beast Morpher, depuis Dino Fury, parce que je me retrouve tellement plus là-dedans.
Et surtout qu'en plus maintenant avec notamment ça, l'oversaturation des produits du marché MMPR, ça aussi ça me fatigue, j'en peux plus d'Hasbro parce que d'un côté ils me saoulent avec les séries, avec l'actualité, où ils font des trucs quand ça les arrange, des trucs, enfin c'est... Je n'aime pas leur contenu des séries, en jouet c'est pareil parce qu'en jouet maintenant, enfin en tout cas au côté collector ils ne nous sortent que les mêmes produits Mighty Morphin, des choses dont on s'en fout pour la plupart, qu'on a déjà 15 000 fois, et pourtant il y a toujours des gens pour acheter ça qui est déplorable, mais non voilà, enfin Hasbro n'est pas fait pour Power Rangers pour moi, donc c'est pour ça qu'après voilà, moi je ne suis qu'un humble fan, hein, c'est pour ça que de toute façon si j'arrête, si j'en reste là comme je dis moi, voilà, si concrètement si Cosmic Fury n'envoie pas le paquet, ben, je pense que moi j'arrêterai là, j'en resterai là pour Power Rangers. Ça veut pas dire que j'arrête toute la franchise, ça veut pas dire que je me fâche avec l'intégralité, mais juste que j'arrêterai de suivre ce qui sort, parce que pour moi ça part trop en n'importe quoi, ça part en quelque chose qui n'est plus ce que j'ai aimé. Pendant l'ère Disney, donc voilà, je ne m'y retrouve plus, j'arrête là. Je pense que j'arrêterai là si jamais ça ne me prend pas plus. J'arrive pas à partager votre enthousiasme à la plupart, je ne partage plus votre enthousiasme concernant la franchise. Voilà. Mais aussi pour dire que ouais, donc du coup pour moi Hasbro, voilà, comme je dis, après voilà, ils n'ont un peu rien à faire que si moi j'arrête, c'est normal, parce que je ne suis qu'un fan. Et puis de toute façon, voilà, moi je pars aussi du principe que dans tous les cas, bon. Si ce qu'ils font plaît à des gens, bah écoute, tant mieux pour ces gens-là. Moi, je ne suis pas... C'est pas à moi de dire, entre guillemets, ce qu'ils ont à faire avec la franchise. C'est au créateur de le décider, entre guillemets. Mais pour moi, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage, parce qu'ils ont de l'or entre les mains. Je trouve qu'ils n'en font pas un bon usage. Voilà. Après, cela dit, voilà. Je trouve aussi que, de par cette époque... Les gens bah voilà, ont une tendance, entre guillemets, je sais pas si c'est dû au Covid, si c'est dû au confinement, ou peut-être même que c'est dû avant, en fait, c'est peut-être dû au fait qu'on nous est tellement bourrés avec des daubes, hein, concrètement. Mais je trouve que les gens n'ont plus d'attente aujourd'hui, en fait. Et c'est peut-être pour ça que Beast Morpher a été, entre guillemets, un peu apprécié, un peu trop surapprécié pour moi. C'est qu'en fait, on nous a tellement habitués à un peu des daubes, entre guillemets, même si encore là, ça peut se re-questionner depuis mon visionnage de Mighty Morphin, avec des trucs comme Ninja Steel. Que automatiquement Beast Morpher, le fait que ça soit objectivement un poil plus travaillé, vous donne l'impression que c'est ah c'est la renaissance et tout ça. Mais non, parce que comme je dis, moi, pour moi, ça ne change pas grandement, hein, Beast Morpher, de l'ère Neo-Saban. On trouve toujours un peu les mêmes défauts pour moi, donc c'est pas parce que c'est un peu mieux que c'est forcément la renaissance, que ça y est, la franchise est sauvée. Et je trouve qu'aussi, j'ai entendu un youtubeur qui faisait une anecdote là-dessus, justement, qui avait parlé de ça, qui disait qu'il était allé dans un restaurant et que le chef, à la fin du repas, lui avait demandé si c'était bien passé, s'il avait bien apprécié. Et ce que j'ai apprécié avec ce youtubeur, c'est qu'il est très cash, hein, concrètement, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie, et c'est pour ça que je le respecte. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens comme ça qui sont cash, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent pour ne pas froisser les égos. Moi, c'est vraiment sur ce genre de modèle que j'ai envie de prendre appui. Et il a dit clairement, bah écoutez, moi je vais pas vous mentir, le repas j'ai pas trouvé ça terrible. Voilà, et au final, ça n'a pas été plus négatif que ça, puisque le chef a lutté après, d'après ce qu'il dit, a goûté le plat, et lui a lui-même dit, oui effectivement je comprends ce que vous voulez dire, c'est vrai que ça manquait un peu d'assaisonnement et de cuisson, c'est vrai que c'était un peu sec. Voilà quoi. Et justement, il faisait la remarque par rapport à ça, c'est que justement, mais parce qu'on lui avait dit, le chef lui a dit, mais pourtant je comprends pas parce que les gens me disent que c'est bon quand je leur demande. Et ben c'est là le problème en fait, c'est que j'ai l'impression que dans notre époque, plus personne n'a d'attente en fait. Et du coup, c'est toujours, ouais, c'est bien, c'est pas vrai, c'est pas terrible, mais c'est bien. Et ce qui fait que les choses n'avancent pas parce qu'on n'aide pas les gens à avancer en fait, on n'aide pas les gens à leur dire quand ça va pas et quand il faut améliorer parce que vous n'allez pas me dire quand même que c'est parfait ce que fait Hasbro. Il y a forcément des défauts que vous avez à trouver, que ce soit sur une chose ou sur une autre. Mais ces choses-là, il faudrait peut-être pas hésiter à les dire. Parce que du coup, après, Hasbro, bon, certes, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent, mais bon, vous pourriez quand même peut-être leur apporter des conseils. Et si vous êtes en masse, ils vous écouteront peut-être. Parce que moi, du coup, moi, tout seul, ils n'ont rien à faire. Mais peut-être que si justement vous êtes plusieurs à le dire, que des choses ne vont pas, qu'il faudrait peut-être améliorer certaines choses, peut-être que là, ils vous prendront plus en compte. Mais il faut le dire, et le problème c'est ça, c'est que je vois que beaucoup de gens maintenant n'ont plus le truc de dire quoi que ce soit, maintenant c'est toujours ah ouais, ouais c'est bien, et puis quand on leur demande des séries modernes de Power Rangers, c'est toujours oui elles sont bien. Alors oui, si elles vous plaisent tant mieux, si vous les trouvez bien tant mieux, mais est-ce que ça serait pas mieux qu'elles soient géniales plutôt que bien? Est-ce que ça serait pas mieux qu'au lieu de ouais j'aime bien, ouais j'adore, ça serait pas mieux de dire ouais j'adore, comme c'était le cas avec SPD, comme c'était le cas avec RPM, là les séries qui étaient vraiment les mieux foutues pendant l'ère Disney. Notamment, après avec des Time Force et des choses comme ça, bien sûr, qu'on peut incorporer aussi au passage. Mais c'était les séries les mieux foutues.
Et vous voyez, si on se contente toujours du minimum, on n'avancera pas. Donc c'est ça aussi que je trouve un peu dommage et que j'ai envie de faire passer un peu comme message, c'est que les gens, je trouve, n'ont plus d'attente aujourd'hui. Et c'est dommage parce que vraiment, Power Rangers pourrait peut-être reprendre un peu de son... vraiment de sa beauté si vraiment les gens faisaient paraître leurs exigences un peu plus qu'ils ne le font. Moi, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire parce que moi, concrètement, je le dis, voilà, je vous le dis, Power Rangers, pour moi, c'est plus ce que c'était. En tout cas, dans mon enfance, ce que j'ai aimé. Je parle même sur un point de vue objectif, hein, parce que je vais pas faire comme les vieux de MPR, hein, non, mais c'était forcément toujours mieux ce que j'ai connu moi. Bien sûr que les séries de mon enfance, elles sont pas parfaites, mais quand même, je sens qu'il y avait clairement beaucoup plus d'authenticité, de qualité, il n'y avait pas d'humour forcé, il n'y avait pas des idées, là aussi pareil, maintenant c'est en rapport avec la modernité, les idées de diversité abusées, c'était clairement pas aussi poussé que ça, que Hasbro, ils sont à fond là-dedans. Voilà, les castings ne me semblent plus authentiques. Je me demande comment ils font les castings. Est-ce que c'est tiré à la boîte à chaussures? On se demande presque. Voilà, concrètement. Donc c'est pour ça que je ne me retrouve plus là-dedans dans ce qu'ils font. Que je n'ai absolument aucune hype pour Cosmic Fury, que je m'en fous un peu en quelque sorte. Je regarderai quand ça sortira, j'essaierai de trouver un moyen pour regarder sur Internet. Mais voilà, ça a intérêt à vite me prendre parce que sinon, comme j'ai dit, moi, je m'arrête là. Et puis voilà, voilà. Je resterai avec les séries Power Rangers que j'aime et le Super Sentai, voilà. Ça veut pas dire que j'arrête Power Rangers complètement, hein, je continuerai toujours à faire mes vidéos sur ce qui me plaît, mais justement sur les saisons qui m'ont plu, ou sur les objets qui me plaisent, mais je ne serai plus sur des séries qui ne me plaisent pas parce que l'actualité ne me plaît pas. Et c'est pour ça que c'est mon cas est particulier dans le sens où vraiment je vous dis, parce que là, il y a pas longtemps, je viens de cracher sur Mighty Morphin le tout début, le passé, et là, je viens de cracher sur l'actualité, entre guillemets. Cracher plus ou moins, mais... Moi, je ne me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Moi, je suis vraiment pile au milieu, genre Air Disney, avec quelques séries un peu de la première Saban, un peu de Dinosaur. Moi, je me retrouve un peu dans ce milieu-là. Mais parce que même l'ère Neo Saban, finalement, comprenait mieux Power Rangers, même si c'était un peu caricatural. Mais même des fois, on peut se dire, c'est pour ça que maintenant, je remets tout en question, maintenant que j'ai vu Mighty Morphin, c'est que Megaforce, est-ce que je peux tellement la bâcher? Parce qu'au fond, certes, c'est pas terrible, mais c'est un parfait hommage à la connerie, justement, de Mighty Morphin. Donc, est-ce que c'est tellement bâchable? La question peut se poser, du coup. Et du coup, je trouve pas l'air Neo Saban si mauvaise que ça, finalement, avec le recul. Et je vais dire un truc qui va peut-être en choquer plus d'un, mais oui, concrètement, comme je vous dis, moi, par rapport à ce gros, j'apprécie pas. Donc, ouais, moi, concrètement, j'aurais préféré que l'air Neo Saban continue. Ouais, concrètement, je regrette qu'Hasbro ait racheté la franchise. Je regrette qu'ils aient adapté Co-Buster. J'aurais vraiment préféré qu'on en reste là. Enfin, j'aurais préféré parce que, normalement, le plan aurait été, si l'air Neo Saban avait continué, le plan aurait été qu'on aurait adapté Q-Ranger. Donc on aurait peut-être eu Power Rangers, Space Squad, Space Force, je sais pas quoi, Star Force, je sais pas comment ça aurait pu s'appeler, mais on aurait probablement une adaptation de Q-Ranger. Et je crois que vraiment j'aurais préféré ce chemin-là. J'aurais vraiment préféré que l'ère Neo Saban continue. C'est pas la meilleure ère, mais pour moi elle était déjà meilleure que les Hasbro, carrément. Voilà. Voilà, voilà, donc ça pour dire que, ben voilà, Cosmic Fury, c'est bien beau, c'est sorti, nanani, nanana, les théories, les infos, moi, je m'en fous un peu, voilà, je laisse ça à ceux qui aiment, à Altarian, à tous les autres. Si vous aimez, tant mieux, faites-vous plaisir, mais moi, je vous dis, je ne suis plus trop là-dedans. Donc je regarderai, je pense un peu, quand même, par curiosité, parce que j'ai décidé que ce serait la dernière chance que j'allais laisser, mais si je ne suis pas conquis, voilà, moi, je m'arrêterai là, et je resterai qu'avec les séries Power Rangers que j'aime, et le Super Sentai, parce que le Super Sentai, là, par contre, j'adore. Et justement, on va embrayer sur le dernier point. Et yo, et oui, on va terminer donc en parlant de Super Sentai, donc d'actualité Super Sentai. Et alors là, le contraste est énorme, hein, parce que là où je vous dis Power Rangers, je suis blasé, c'est négatif, c'est ceci, c'est cela. C'est là où on fait encore la différence, Japon, reste du monde. Parce qu'au Japon, là par contre je suis en folie. Et là c'est ce que j'appelle avoir la hype. Voilà. Le Sentai, c'est définitivement le best pour moi. Voilà. Et la preuve en est que voilà, là le Sentai, ça continue d'exister. Et j'ai toujours autant la hype pour le Sentai. Pour le Sentai, j'ai pas ce côté autant de différer les époques, quoi, vraiment. Parce que chaque époque est certes différente, mais chacune avait vraiment ses bons points. Les vieux Sentai sont très bons dans leur sens, et les nouveaux Sentai sont bons aussi dans leur sens. C'est pas comme les PR où vraiment, alors les très vieux sont très mauvais, les nouveaux sont très mauvais dans un autre sens. Ce qui m'avait fait rire aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais j'avais vu un truc sur, c'était sur Facebook, ou sur la page officielle, je crois qu'ils montraient
un collage de Mighty Morphin et de Dino Fury en disant comment ça a commencé, comment c'est, ça continue maintenant. Et moi j'ai rigolé parce que je me suis dit dans ma tête, évidemment vous savez, comme moi, comment c'est pour moi, donc pour moi je me suis dit ouais d'accord, ça a commencé, c'était pourri, ça continue, c'est toujours mauvais d'une autre manière. Bah c'est voilà, alors que le Sentai je ne pourrais pas dire pareil, là le Sentai ça a commencé d'une manière, enfin, en tout cas le passé était d'une manière qui était intéressante, le présent est d'une manière qui est tout aussi intéressante. Et justement voilà, Dawn Brother, le Sentai de cette année pour lequel je n'avais aucun espoir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour en parler, c'est incroyable. Dawn Brother, je n'aurais jamais cru que ce Sentai me plairait, parce que déjà que j'avais entre guillemets moyennement aimé Zenkaiger l'année dernière et que ça allait justement être une continuité à Zenkaiger, mais en étant son propre truc, c'est là aussi la différence avec Cosmic Fury qui va banalement pomper ce qui a été fait l'année dernière pour le continuer. Là, Dawn Brother le continue, mais en créant son propre truc malgré tout. Et c'est là où vraiment le Sentai assure grave, c'est que, alors que vraiment j'étais persuadé, que je me suis dit c'est pas possible, déjà que je me mets les Power Rangers à dos, si en plus maintenant le Sentai aussi me tourne le dos, ça va être n'importe quoi, j'ai plus rien à aimer moi à force. Eh ben, le Sentai non, ne m'a pas tourné le dos, au contraire, il m'a foutu une claque monumentale dans la gueule, positive, parce que j'adore Avataro Sentai Dawn Brother. Le Sentai de cette année, si vous n'êtes pas encore mieux au Sentai, je peux vous conseiller le Sentai actuel de cette année. Alors, il n'est pas forcément complet en sous-titres français pour l'instant, mais si vous débrouillez avec l'anglais, n'hésitez pas à regarder sur des sites qui sont justement avec des sous-titres en anglais, parce que vraiment, c'est une série qui vaut le détour, c'est excellent. En fait, c'est littéralement pour moi le Power Rangers RPM des Super Sentai, c'est assez renégat, ça inclut beaucoup de codes qui diffèrent, les personnages sont excellents, le casting est excellent, chaque personnage a une intrigue, et c'est ça qui fait toute la force. Et en fait j'ai compris pourquoi est-ce que les personnages de RPM sont si bien, parce qu'en fait le truc c'est que dans Power Rangers RPM tu pourrais faire un film sur chacun des personnages, en fait chaque personnage a un plot qui pourrait être intéressant à développer dans un film à part entière, et ce qui fait que la fusion de tout ça, le melting point, nous donne, mais c'est une explosion de saveur. C'est ça qui fait que RPM est si bien. Chaque personnage a tellement son passé, son histoire, son aventure à vivre, que quand tu mélanges le tout, mais c'est un explosé, c'est un concentré. Et ben Dawn Brother, c'est ça au Super Sentai, c'est pareil. On se retrouve avec plein de personnages partout qui sont intéressants chacun à leur manière, qui ont leurs intrigues, leurs histoires, notamment les héros qui ont chacun vraiment leur truc, hein, notamment Tsubasa qui est pour moi le meilleur, hein, avec sa plotline de fugitif. Dès le début, je savais que ça allait être mon préféré, et ça s'avère effectivement. C'est génial, franchement, tout ça mélangé, mais c'est l'explosion de saveur. Taro, One Punch Man, littéralement, quoi. Littéralement, il est à la limite d'être invincible. C'est intéressant ce cas de figure, parce qu'on n'avait jamais vu, entre guillemets, un raid aussi parfait presque, en quelque sorte. L'alchimie qu'il a justement avec les autres, Haruka est un personnage assez rigolo, assez comique, c'est un petit peu le comic relief. Mais justement elle marche très bien, voilà, encore une fois, elle était en quelque sorte un peu, oui elle est toujours même en quelque sorte l'héroïne de l'histoire. Ça, c'est super, on a Kiji Brother, mais le Kiji Brother qui était à mentionner comme étant le premier pink masculin, donc ça aussi c'était un code révolutionnaire, de donner de la couleur rose à un garçon. Et bien, pour le coup, bravo, parce que vous l'avez fait, et j'ai pas le sentiment que c'est bizarre. Et c'est ce que je voulais en fait. C'est super, vraiment. Et j'espère que d'autres personnes l'ont ressenti comme ça aussi. Parce que effectivement, c'était quelque chose que vraiment, on n'aurait jamais cru possible plus d'un temps. Il faut dire qu'à l'époque, ils avaient déjà du mal à mettre du rose, ne serait-ce que sur les robots. Ils mettaient souvent du blanc ou du gris. Donc faire un Senshi rose masculin, jamais ils n'auraient fait ça à l'époque de Die Ranger ou des séries de l'époque. Et c'est là où on voit que le Sentai évolue. Mais le Sentai évolue bien. Parce que vraiment, ils ont réussi à faire le premier pink masculin. Et ça marche. J'aime bien Tsuyoshi. Franchement, il est cool. Il a un bon développement dans son personnage. On voit qu'il a un côté sombre et tout ça. C'est ce qui le rend principalement assez intéressant. C'est cool. Vraiment, j'ai pas l'impression que c'est bizarre. Et ça, c'est top. Vraiment. Donc, voilà. Comme quoi, voilà. Le Sentai et le Power Ranger évoluent. Donc, pour moi, le Power Ranger dégraisse. N'évolue pas. Parce qu'en plus, j'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas assez développé. Concernant l'aspect des items collector, il ne reste que dans le Mighty Morphin. Et ça qui est triste, c'est que Power Ranger, pourquoi aussi je suis si négatif avec Power Ranger, c'est que Power Ranger reste embourbé dans son passé. En tout cas vis-à-vis de l'ère Hasbro du monde. Hasbro reste définitivement enfoncé dans la nostalgie, dans le passé, dans la vieille époque, et refuse d'avancer. Là où le Sentai, c'est le parfait entre deux, parce que le Sentai, on évolue,
Mais il y a aussi les abattoirs ouverts. Alors là, j'en ai pas concrètement, parce que pour l'instant, là, je suis un peu limité en ce moment en termes de moyens, donc j'ai pas trop les moyens de m'acheter beaucoup de choses. Donc j'ai pas pu m'acheter plus d'abattoirs aux Gears, mais il y a les Gears de Sentai, les Sentai Gears qui font des refs aux anciens Sentai. Et les références sont parfois très bien calées. Hein, y a des super bonnes références qui sont calées dans les épisodes. Les avatars change, hein, notamment quand Jiro, après le sixième de Dragoku, se transforme en Dragon Ranger qui dit « Je me sens comme un grand frère », comme Burai, justement, qui était le grand frère de Geki dans U-Ranger. Voilà. On fait des hommages au passé pour montrer qu'on n'oublie pas le passé, mais pour autant le passé est révolu. Le passé, on passe sur d'autres choses. Et on passe sur d'autres choses, mais en faisant des bonnes choses, avec les moyens de notre temps. Ce que pour Ranger, pour moi, ne fait pas. En tout cas, pas assez. Donc vraiment, le Sentai a vraiment ce côté positif, et c'est pour ça que j'aime autant le Sentai, parce que vraiment, le Sentai, voilà, ça ne prend pas les enfants pour des cons, ça les prend au sérieux, ça leur raconte des choses intéressantes, ça crée des histoires. Et voilà, le Japon est toujours en avance sur le reste du monde. C'est abusé quand on voit qu'ils ont des productions pareilles pour le divertissement de l'enfance, comparé au Power Ranger qu'Hasbro nous fait. Il n'y a pas photo. Hein. Franchement, je veux dire, le Sentai bat Power Ranger mille fois, en fait. C'est infiniment meilleur. Donc voilà, moi, Dawn Brother, j'adore. Là, c'est excellent, c'est le développement qu'on a. On a Sonoza, je suis content que Sonoza, on l'a enfin un peu développé, parce que c'est vrai que c'était le Noto, entre guillemets, qui était un peu à la traîne derrière Sonoi et Sonomi. Qui eux, par contre étaient beaucoup plus pepsé parce qu'ils étaient vraiment en rivalité chacun avec un membre de l'équipe, donc Sonoi c'est avec Momotaro évidemment, et Sononi c'est plutôt avec Kino Brother. Donc là je suis content qu'on nous ait développé justement un peu Sonoza avec Aruka justement, qui commence un peu en fait à déverrouiller un petit peu son côté émotif petit à petit grâce au manga First Love Hero justement qu'elle a dessiné. Donc bah voilà, ça c'est intéressant. On a Jiro au fait depuis hein, qui s'est joint évidemment le 6ème Don Dragoku slash Don Thunderbolt, qui est pas forcément mon 6ème favori de tous les temps, mais qui est quand même assez intéressant de par ce côté en plus double personnalité qu'il a, et c'est vrai que c'était une super idée de donner une personnalité différente pour chacune de ses formes, parce que ça c'est un truc que j'avais prévu à l'époque pour Lupin X Patronix, je me suis dit putain ça se trouve presque Lupin X Patronix, il aura deux personnalités. Et là c'est vrai que ça aurait été encore plus justifié dans le sens où il aurait eu deux camps et vraiment. Ben, ça, je pense que ça aurait mieux marché que ce qu'on nous a donné. Je pense que ça mériterait que j'en parle, je pense que j'arriverai à un moment donné à parler d'une vidéo sur Lupin Ranger versus Pat Ranger. Mais pour moi, le personnage de Noël, malheureusement, n'a pas été exécuté comme il aurait fallu, et peut-être que ça aurait été mieux si on lui avait donné deux personnalités, comme justement Don Dragoku, Sage Don Thunderbolt, lui a deux personnalités. Donc vraiment, Jiro, je l'aime plutôt bien, l'acteur est très bien, le côté un peu mauvais là de Thunderbolt, bon encore, c'est pas tellement un vrai méchant, on va dire qu'il est un peu grognon, quoi, voilà. Le vrai méchant, c'est surtout le Kijibolt de Tsuyoshi. Lui, c'est un vrai méchant. Hein, Tsuyoshi, le tout gentil, le rose, hein, quand tu lui déchaînes son côté obscur, lui, par contre, il rigole pas. Hein, avec sa bio. Voilà. Les Juto, par contre, les Juto sont un peu délaissés. Alors, il y a quand même une scène de combat très très cool, là, qui était sous la pluie et tout ça, dans l'épisode où Tsubasa devient un chien, justement, petit à petit, le pauvre. Il s'est fait un peu ridiculiser dans cet épisode, mais il y a eu cette partie qui était vachement cool avec le combat sous la pluie. J'adorais. Vous voyez, c'est ça, pour moi, que j'appelle de la mise en scène. C'est ça que j'appelle des belles choses à voir, que je veux voir dans des séries, même pour des séries pour enfants. L'excuse de « ouais, non, mais c'est pour les enfants », mais non. Les enfants méritent mieux. Les enfants méritent pas d'un truc tout bâclé, tout moche, comme Mighty Morphin. Ou tout lisse d'une autre manière, comme c'est les séries Power Rangers maintenant. Dawn Brother assure de ce point de vue-là. Voilà, je suis content que le legacy du Sentai soit assuré. Le Sentai, je vois que ça a un peu fléchi l'an dernier avec Zenkaiger. J'avais pas trop aimé sur tous les aspects, bien qu'il y avait aussi des bons aspects. Mais je suis content de voir que Dawn Brother rattrape le coup, et largement, vraiment, parce que là, j'avais peur qu'on s'enfonce encore plus, et au final, non. Là, il y a eu une chute avec un peu avec Zenkaiger, et là, les Japonais, c'est là où on voit combien ils réagissent, contrairement aux Américains qui se laissent complètement aller. Ah, là, on voit que ça a chuté, là, les gens l'ont fait un peu remarquer, et ben, boum, on fait remonter, on appelle Toshiki Inoue, qui a écrit Time Ranger, qui a écrit Z-Ranger. On prend un vrai scénariste compétent, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça, ça nous donne Dawn Brother. Et là, Dawn Brother, j'ai la hype. Je n'avais plus cette hype, ce degré de hype depuis Lupin Ranger versus Pat Ranger. C'est-à-dire que là, l'épisode sort, j'ai de suite envie de le regarder. Hein, j'attends pas le samedi, le week-end, pour mater l'épisode comme c'était le cas avec Zenkaiger ou même avec Kira Major, parce que même si Kira Major, j'aime, hein, j'aime Kira Major, ça veut pas dire que j'aime pas Kira Major. Mais j'avais pas autant ce degré de hype pour voir la suite. Là, Dawn Brother, chaque épisode nous laisse sur une envie de voir la suite. Et c'est ça qui est si bien, en fait. Moi, j'adore, c'est ça que je veux, en fait. C'est là que je sens la hype, en fait.
quand vraiment j'ai envie de voir ce qui va se passer, j'ai envie de voir comment les personnages vont interagir, rien que là, avec l'épisode de la semaine. Alors c'est vrai que j'ai eu tendance au début à dire que l'épisode de la semaine c'était le récap, que ça allait pas être terrible, effectivement c'est vrai que c'était un épisode bah, exceptionnel dans l'ensemble, mais il y a quand même à la fin ce petit brin d'info qui est venu nous secouer, peut-être que vous aussi ça vous a secoué, c'est Kaito qui parle de son expérience en tant que Zenkaiser classique. Et là tu te dis, ah mais donc c'est le même Kaito, parce que a priori c'était pas le même. Donc ça serait le même Kaito finalement, ça serait le même Zenkaiser qu'on a connu en 2021. Ce serait intéressant, mais du coup voilà, vous voyez, c'est ce petit truc qui arrive à la fin, qui vient tout chambouler, et qui fait que j'ai envie de voir la suite, parce que je me dis, eh ben voilà, encore un truc qui vient me secouer, qui vient me dire, viens voir la suite, quoi. C'est ça que je veux, c'est ça qui me donne l'hype, et c'est ça que vous n'avez pas dans Power Rangers, c'est pour ça que j'aimerais que vous vous battiez pour avoir ça aussi dans Power Rangers, qu'on se batte ensemble, pour qu'aussi on puisse regarder, on puisse continuer de regarder les PR en se disant, ah ouais, j'ai quand même... Là, l'histoire est explosive, c'est dingue tout ce qui se passe, mais genre, c'est vraiment bien écrit et tout ça par quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, et c'est dommage, parce que, voilà, le Sentai engage vraiment des scénaristes compétents. Hein. Toshiki Inoue, bon, il a écrit énormément de choses, hein. Il a écrit Jetman aussi, bon, Jetman que j'ai pas regardé, mais j'ai vraiment hâte de regarder, pour le coup, parce que très bonne presse, la série. Bon, après, attention, parce que MMPR avait bonne presse aussi. Hein. Mais voilà, mais c'est le gars qui a écrit Time Ranger et The Ranger, donc Time Ranger tu m'étonnes, parce que Time Ranger était excellent, c'est une masterclass des Sentai Time Ranger. Alors par contre j'ai peur, parce que quand je vois déjà le nombre de références que ça fait à GoBuster, ça aussi c'est cool au passage, mais quand je vois les références que ça fait à GoBuster et que je sais que le gars a écrit deux scénarios de Sentai avec des sixièmes qui meurent à la fin, spoil attention, je vous le dis, essayez de faire gaffe avec Jiro, parce que si on s'attache à lui, j'ai peur qu'il meure à la fin. Connaissant le fait qu'il ait déjà tué deux sixièmes, je pense pas que, et que il y a 10 ans de ça avec GoBuster, Jin slash Beatbuster n'était pas mort réellement, mais il disparaissait de notre monde en fait, c'est un peu comme s'il mourait sans mourir, mais voilà, il n'était plus de notre monde à la fin de la série, il reste bloqué dans l'hyperespace. Je me dis qu'en référence à ça, et de par le fait qu'il ait déjà tué deux sixièmes, c'est pas improbable que le sixième de cette année meure aussi, c'est pas improbable que Don Dragofu, Don Thorabolt, peut-être les deux, meurt à la fin. Donc attention, attendez-vous-y à ça. Voilà. En plus, il y a eu Don Murasame aussi, j'en ai pas parlé. Don Murasame qui est vachement stylé, je trouve. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le style d'attaque qu'il a, de pouvoir plonger dans le sol là pour attaquer comme un requin, un peu à la Duo Shark, ça c'est cool, c'est stylé. Pour le coup, j'aimerais bien voir un style, un fight Duo Shark Don Murasame. Son épée a été annoncée justement avec, il aura fourni les gears, alors non pas les gears d'anti-héros comme j'aurais cru, mais les gears de Ranger requin. Donc sache, Vul Shark de Sun Vulcan, Gao Blue de Gao Ranger et Duo Shark de Duo Ranger. Voilà. Bon, du coup on n'a pas le Spirit Ranger requin parce que forcément ça c'est exclusif à Power Ranger. Mais en tout cas il a les avatars aux gears justement des Rangers requins. Donc par rapport à son type de requin sur son épée qui sera vendu. Mais ouais, Don Murasame intéressant, j'aimerais qu'on le développe un peu plus, parce que c'est vrai que pour l'instant on ne l'a pas beaucoup développé. C'est juste ça un peu le point noir pour l'instant. Mais par contre le prochain épisode justement qu'on nous a teasé promet d'être explosif, parce que là on a vu une méga bataille, mais c'est un truc de fou. Il y a l'air d'avoir tout le monde, les Noto, les Juto, Murasame, les Donbro, Jiro, il y a l'air d'avoir tout le monde qui est de la partie. Je sens que ça va être explosif, je sens qu'on va se régaler pour le prochain épisode, et c'est ça que je suis content. Vous voyez, je suis content d'avoir la hype, de me dire, ah j'ai hâte de voir la suite, vraiment, là je sens qu'on va se régaler vraiment la semaine prochaine. Et ben oui, parce que Don Brother, je me régale, Don Brother, c'est une super production qui pour moi est une vraie lumière dans la pop culture qui devient toujours plus dégraissante au fur et à mesure, en tout cas de ce que je connais. Parce que je vous dis, là pour moi les Power Rangers qui restent embourbés dans leur passé et qui avancent pas, à côté quand je vois les Sentai qui à la fois avancent et en plus font des bonnes références au passé, je me dis mais ils ont tout compris, les Japonais encore une fois ont tout compris, c'est les meilleurs, ils sont visionnaires, c'est top, et c'est pour ça que je préfère infiniment la Sentai, et que le Sentai je pense que ça je vais pouvoir rester très longtemps encore avec, je pense que j'ai pas à m'en faire, voilà, ils ont un peu fléchi avec Zenkaiger, mais qui ne fléchit jamais dans sa vie, mais je suis toujours autant content avec Don Brother et je suis très content parce que vraiment je m'attendais à ce que ça soit bidon quand on nous a révélé le premier visuel, comme beaucoup, hein. Et finalement c'est super, c'est un masterclass. Je crois que Don Brother fait officiellement partie maintenant de ma top class des Super Sentai. J'aurais jamais cru ça possible, vraiment. C'est un truc de fou, en tout cas je suis grave content, voilà, du coup je me suis pris pour mon anniv, je m'étais pris le Don Blaster, que je suis content d'avoir, voilà. Bon, même si à mon avis je l'ai pris pour rien, parce que je pense qu'on va finalement nous sortir aussi, quand la série sera finie, un mémorial qui sera meilleur. Et qui tournera mieux j'espère, parce que c'est vrai qu'un point que j'ai pas oublié pensé à mentionner quand je l'ai déballé, parce que j'ai pas forcément fait gaffe, mais c'est vrai que ça tourne pas super bien comme ça tourne dans la série par contre. Dans le sens où la molette tourne, mais le rebondissement du canon se fait pas aussi proprement dans la série quoi.
Donc c'est un petit peu le point négatif que j'ai à reprocher. Donc j'espère que ça sur le mémorial, ça sera rectifié si jamais mémorial il y a, mais je pense qu'il y aura un mémorial. Voilà. En tout cas, il y aura le Gertlinger que j'achèterai, ça je pense que je l'achèterai clairement. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire à part Toshiki Inoue, vas-y, continue. Inoue, régale-nous. C'est impeccable. Ce que tu nous fais, c'est impeccable. Non, c'est pas parfait, il y a toujours un peu des incohérences quand même malgré tout. Mais c'est quand même super. C'est super ce que tu nous fais, c'est vraiment génial. J'aurais pas rêvé un Sentai aussi bon pour cette année. Merci de montrer l'exemple, merci de montrer ce que c'est un vrai scénario, une vraie écriture. Je pense que voilà, pour dire que Power Rangers mérite mieux, tout ça. Et par rapport justement au Sentai, qui est vraiment le Sentai, par contre, toujours aussi bien, voire même là, c'est excellent cette année, on est sur vraiment une masterclass, et je suis content 10 ans après Go Buster, qui est vraiment un Sentai que j'ai adoré, qu'on ait droit à une aussi bonne, entre guillemets, pas suite, mais un aussi bon hommage 10 ans après, quoi, voilà. Vraiment, les hommages y sont, et je suis content parce que vraiment, c'est très bien. Donc, en plus d'un bon, un bien meilleur hommage à Go Buster que ce que Beast Morpher ne l'a fait, voilà. Bah écoutez, sur ça, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà, donc Don Brother, hâte de voir la suite. Et on va pouvoir passer maintenant à la conclusion. Et puis voilà, sur ce, nous en arrivons donc à la conclusion de cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez apprécié, voilà, donc ça faisait du bien en fait, j'avais besoin de parler un petit peu, voilà, ça me change un peu de mes reviews justement, donc voilà, c'est un format de vidéo entre guillemets un peu plus simple à faire. Moins minutieux, donc voilà, ça fait du bien, et puis au moins ça nous parle un petit peu de discuter un peu de tout ça, de l'actualité aussi, dont je parle pas vraiment souvent au final. Voilà, que ce soit côté Sentai ou côté Power Ranger. Donc bon, comme je vous l'ai dit, le contraste est assez grand entre le côté US où pour moi c'est pas terrible, le côté japonais beaucoup mieux. Voilà, et puis aussi bah, par rapport à diverses autres choses, des coups de gueule, des critiques, voilà. Donc je pense que c'est pas forcément la dernière vidéo que je ferai du style, c'est possible que j'en fasse d'autres par la suite, on verra. Mais voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi, voilà, c'est ça que je voulais terminer par faire, c'était aussi par vous annoncer justement, et bien ce que j'avais dit, que vous annoncez un peu d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne, parce que bon, les reviews, ça on va pas repasser dessus, je l'ai déjà assez dit, j'espère que c'est bien intégré pour certains. Et donc, et bien justement, voilà, donc ce qui va venir, et bien déjà, alors déjà, il y aura nos... Comme on a commencé nos vidéos Power Discus, comme on a choisi d'appeler ça avec Altarion, donc nos débats en quelque sorte, hein, on n'avait pas trouvé de nom jusque là, mais voilà, là on en a trouvé, on s'est mis d'accord pour Power Discus ou Sentai Discus si on parle d'un Sentai. Donc voilà, ce sera les vidéos qu'on fait en duo justement pour parler sur les séries, ou sur le marketing, ou sur des différentes choses comme ça, donc ça, ça continuera. On a d'ailleurs le prochain épisode qui est prévu pour dans pas longtemps, étant donné que on a prévu d'attendre ce week-end, donc elle devrait arriver je pense d'ici... une à deux semaines peut-être, je sais pas, ça nous prend le temps, en fonction du temps que ça nous prendra de faire le montage. Mais c'est prévu, ça arrive. Voilà pour le coup. Donc ce sera sur Power Rangers Ninja Steel, comme on l'avait déjà annoncé à la fin du débat Dino Charge. Voilà, donc on parlera de Power Rangers Ninja Steel. Pour le coup, pour ce prochain épisode, ce Power Discus numéro 4. Voilà. Et ensuite on a prévu justement de faire un Sentai Discus où on parlera de Machine Sentai Kira Major, étant donné que lui est en train de visionner Kira Major. Et donc bah, je me dis, je lui ai dit pourquoi pas, on en pensait en parler, ça serait pas mal. Donc on s'est mis d'accord aussi là-dessus, qu'on parlera de Kira Major aussi. Voilà. Après, de mon côté, il y aura aussi d'autres choses à venir. Déjà, dans un premier temps, bah, les reviews forcément. Mais à côté de mes reviews classiques, il y aura aussi les divers autres contenus que j'ai déjà essayé de faire un peu, donc notamment des fan henshin, comme j'ai fait celui d'Abari Killer, justement, des transformations fan-made. Moi j'aime bien faire ça, donc j'ai fait celle d'Abari Killer. J'aimerais bien en faire d'autres pour Don Brother par exemple aussi, que j'avais prévu de faire. Ça aussi, ça va dépendre un peu de mon temps, de ma disponibilité, mais j'aimerais bien le faire. Ça peut très bien arriver, d'autres épisodes de cette série peuvent très bien arriver. Il y aura aussi des nouveaux épisodes pour les tier lists justement, parce que j'en ai fait une sur les mechas principaux. J'ai commencé à travailler sur les vignettes pour faire les mechas secondaires, voilà, donc la tier list numéro 2 sur les mechas secondaires devrait arriver aussi, voilà. D'ici quelques mois ou plus tard je pense, mais voilà, ça dépendra de ce que je fais, on verra en fonction. Je pense que je vais avant tout me prioriser un peu sur les reviews parce que j'avais prévu depuis quand même un moment de faire les vidéos samouraï, donc je vais quand même privilégier un peu ça pour l'instant, mais les tier list arriveront. Et c'est sans compter aussi sur un nouveau format que j'ai décidé de faire, alors qu'il n'est pas un format 100% innovateur dans le sens où ça a déjà été fait, mais ça a déjà été fait par des anglophones, mais jamais en France.
ça va s'appeler justement le Versus. Et là, vous aurez le logo qui s'affichera, un petit logo que justement je me suis amusé à dessiner pour cette série, donc le Versus. Alors, je suppose que de par son visuel, ça vous dira clairement de quoi il s'agit. Hein. Voilà, le Versus, ça porte bien son nom, ça va être le but de comparer les séries Power Rangers et les séries Super Sentai associées. Donc, par exemple, le premier épisode sera Mighty Morphin contre Zuranger. Voilà. Donc on m'avait demandé ça aussi de le faire, ben voilà, donc du coup la personne qui m'avait demandé ça, ton vœu est exaucé, je vais faire cette série de vidéos, basée justement sur la série de vidéos In Comparison du Tokucast, mais voilà, cette fois-ci, là c'est une version déjà française, et que je vais faire à ma sauce, voilà, donc c'est inspiré de leur format, mais ce sera une série que je vais faire de mon côté. Et voilà, voilà. Donc là, je pourrais pas vous garantir un épisode très régulièrement parce que, notamment dans les premiers épisodes comparant des Sentai à des Power Rangers que je n'ai pas encore vu justement, que je suis en train de visionner, donc je pourrais pas en faire très régulièrement. Je peux vous dire là, je peux faire actuellement les deux premiers épisodes étant donné que là, je vais bientôt achever Die Ranger et que j'ai vu Mighty Morphin saison 2, donc là, on va pouvoir faire dans les mois qui viennent facilement les deux premiers épisodes, mais après je pourrais pas vous garantir un rythme très régulier étant donné qu'il faudra que je prenne le temps de regarder et le Power Ranger et le Sentai pour pouvoir bien comparer. Voilà, après le rythme s'accélérera une fois qu'on en arrivera à Light Speed Rescue, parce qu'après passer ça, ce cap, j'aurai déjà tout vu, donc après ça pourra aller beaucoup plus vite de faire ces versus justement. Voilà, donc c'est un concept de vidéo que je voulais faire depuis un moment et que voilà, je me suis dit que j'allais le faire, donc du coup je me suis amusé à dessiner le petit logo et je pense que voilà, je vais m'y mettre dès que je pourrai. Voilà, on va être parti et donc voilà, le vœu de la personne qui m'avait demandé va être exaucé. Voilà, mais tu m'avais dit on rigolera quand on va parler de Super Mega Force. Ah non, on va pas attendre Super Mega Force pour s'amuser. Je pense que je l'ai déjà bien fait comprendre là dans la deuxième partie de ce vlog. Les premiers épisodes 1, 2 et 3 qui vont comparer les trois saisons de Mighty Morphin à Zio Ranger, Die Ranger et Kaku Ranger. À mon avis, vous n'allez pas être déçus de ces trois premiers épisodes. Hein. Je pense que là, vraiment, on va commencer dès le début à s'amuser. Donc voilà, voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait plusieurs choses que je vais avoir à faire du coup, mais bon voilà, donc, je vous dis, je vais essayer d'être le plus productif possible. Alors c'est pas toujours évident parce que moi j'ai pas toujours les disponibilités, ou alors je vais être tellement perfectionniste que j'arrive pas à arriver à faire mes vidéos comme je veux. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses prévues, j'espère pouvoir les faire dans les mois qui viennent. Déjà on va continuer les reviews sur, hein, les reviews ça c'est un petit peu la base, mais voilà. Et vous aurez vos reviews pour Ranger Samurai, je vous rassure, voilà. Pas de soucis, elles sont en fait, moi-même j'ai très envie de les faire, donc... elles seront en fait. Voilà, bah écoutez, on va conclure cette vidéo là-dessus. Je ne sais même pas combien de temps elle aura duré, probablement encore une bonne heure et demie, hein, pour pas changer. Mais bon, voilà, je suppose que vous êtes habitué à force, voilà, de m'entendre parler pendant des heures. Et grogner sur Mighty Morphin, au passage. Ah, mais là, il y a besoin. Il n'y a pas assez de monde qui gueule sur Mighty Morphin, c'est ça le problème. Donc, au bout d'un moment donné, il faut un petit peu. Voilà. Allez, bah écoutez, sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous aurez regardé. Je vous dis à la prochaine, et salut à tous.